Bonjour, 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 s'il vous plaît, on partage le direct. C'est ce que je suis en train de faire, c'est pour ça que vous n'allez pas entendre pour l'instant. Voilà. On doit partager le direct, s'il vous plaît, mes amours. Bonjour, bonjour, mes beauty de valeur, bienvenue à vous. On doit partager ce direct au maximum parce que c'est très important. Voilà, merci. Déjà, merci d'être là. Merci d'être présent. Merci d'être en train d'arriver aussi nombreux. Et partageons le direct. C'est très, très, c'est important. On va faire un tour. On va écouter la sortie de Amé Kamé suite au concert de notre sœur Caresse Futso, et justement le fait qu'il ait tardé, qu'il ait vraiment mentionné des personnes clés durant son live. Donc je vous prie de bien vouloir m'aider à partager le direct, mes beauty. C'est tout ce que je vous demande, et aussi d'interagir en mettant beaucoup de cœur pour sécuriser le live afin qu'il ne puisse pas être signalé. Vous savez comment ça se passe sur Facebook, hein? Donc quand on ferait quelque chose qui n'est pas bien, il y a beaucoup de personnes qui viennent signaler les directs des autres. Tout simplement, voilà, parce que on ne peut ne pas être en accord avec la manière dont des gens gèrent des choses. Mais ces personnes ne comprennent pas que des gens ont le droit d'être en désaccord, et ils viendront signaler votre live pour X ou Y raison. S'il vous plaît, aidez-moi justement déjà à partager le direct, qu'on puisse écouter. Et comme j'ai dit, c'est antenne libre d'écritage dans le respect. Voilà, vous pouvez interagir en commentaire également. Réagissez en commentaire, je pourrai vous lire et il n'y a pas de souci. On va commencer. Pas honte. Non, je vais pas commencer. On va commencer ici. Voilà. Voilà. On va l'écouter. Et on va mettre entre parenthèses les lilés. C'est moi, j'essaie de prendre. RDPC, carré fosso RDPC. C'est important. Carré fosso MS. On va mettre Kamto. Voilà. Et on va mettre entre parenthèses les partager le direct, non.
Vous ne réagissez pas en commentaire. Attends, je le fais actuellement. Je n'ai jamais demandé de montrer. Attends. Donc, voilà ce que nous allons apprendre ce soir. Attends, attendez, j'espère que mon TikTok. Non, ça va, c'est pas chez moi. Le plat de résistance, c'est mes sans flots de l'île Hamout. Mais l'introduction. Partagez mes amours, s'il vous plaît. Faites le mal commence à 21h. Partage. 21h. C'est le cœur, pardon. Oui. Pendant ce temps, on tapote, c'est parce que j'ai un rendez-vous sur TikTok avec lui. Pendant ce temps, on partage. Faites pareil comme il dit dans son direct. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Caresse Fosso lance la campagne de Kamto. Caresse Fosso, chanteuse de la basse, chanteuse de Bamileke. Ouais. Caresse Fosso n'a jamais été boycottée par la basse. Et pourtant, elle a chanté avec le RDPC. Et pourtant, elle mangeait, elle trempait dans la sardine. Mais on ne boycotte pas Caresse Fosso. Pour quelle raison? Point d'interrogation. Je vous envoie un message. N'allez pas les commentaires. Hey. L'année politique en vous êtes 28, moi je vois 28 personnes. Sans vous allez faire la politique, sans vous allez faire personne la politique. Vous ne voulez pas. Vous avez compris, Sans vous faire la politique, sans vous faire la musique. Maintenant on entre. Entre. Caresse Fosso. Le nom de Shida t'a fait vendre les places. Tu es hypocrite pro max. Tu nous as démontré que tu es hypocrite. Tu es au concert de Kamto. Toutes les places ont été payées par les membres de la basse. Quand ils ont vu que c'est l'UNDEM, ils ont récupéré les places, ils ont distribué ça gratuitement. Caresse Fosso a été incapable de remplir une salle de 300 places. Il fallait qu'elle utilise le nom d'Oshida. Si Oshida veut te porter plainte, elle aura raison. Oshida peut te porter plainte, toi, Caresse Fosso, en te disant que tu dois lui donner une partie de la vente de l'épée, parce que son image a servi à vendre les billets. À quel moment son image a servi à vendre les billets? Et par rapport à quoi tu penses qu'elle se doit de lui donner de l'argent, en fait? Hein? Par rapport à quoi, mon frère, tu penses qu'elle se doit de lui donner une partie de cet argent? Moi, je vois plutôt quelqu'un qui est ici, qui peut-être aurait aimé, bien évidemment, que sa compagne puisse aussi être au devant de la scène. Mais ce qui n'a pas abouti et qui est mal, qui s'attaque justement à cet artiste-là. Caresse Fosso reste et elle sera et elle demeurera une grande artiste camerounaise, reconnue mondialement à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Doit-on aujourd'hui coller l'image de cette femme, de cette icône, aux blogueurs, aux blogueuses, qui, pour ma part, ma foi, ne sont pas dignes de pouvoir être dans, c'est-à-dire de pouvoir se donner un spectacle avec elle. Aujourd'hui, tu es en train de défendre. L'hypocrisie de Caresse Fosso, ton image de Oshida a permis normalement, c'est parce que c'est Oshida. C'était moi, mais quand même, je te porte plainte, je te demande une partie. Parce que tu as utilisé mon image et on a des vidéos où on insulte Oshida, on met la vente de bien en bas. Rien que pour ça, là, elle peut te porter plainte, elle récupère. Mais les hommes, ce sont les qui? Elle te porte plainte, elle t'attaque en justice. Les hommes, ce sont les qui? Oshida n'est pas dans votre couloir. Je voulais te laver depuis. C'est Oshida qui me calme.
Maintenant, le conseil est fini. On va se dire nos vérités. Mm-hmm. Écoutons. Mais juste si je ne vois pas vos commentaires, pourquoi si elle récupère une partie des ventes. Parce que c'est grâce au nom d'Oshida que toi, tu as pu vendre tes biens. Ah bon? Mais tu n'as pas tout du pot. Mais comment? Mais comment grâce à son nom? Qu'est-ce qu'elle a fait? 60 places à dépasser Caresse Fosso. Mais qu'est-ce que Oshiga a fait? J'ai envie de comprendre. C'est grâce au nom de Oshiga. Mais qu'est-ce que Oshiga a fait de spécial pour que Caresse Fosso puisse se servir d'elle pour vendre ses billets? Oshiga est arrivé dans la musique à quel moment? Et à quel moment Caresse Fosso est arrivé dans la musique? Est-ce que on peut associer ces deux femmes-là, leur parcours, leur manière d'être? Est-ce que tu peux venir revendiquer, te dire qu'aujourd'hui, c'est grâce à Oshiga qu'elle a pu vendre ses billets? Mec, amen, mon frère, tu vas fort, hein? Donc genre, même si tu veux venir défendre ta compagne, même si tu as envie que des gens comprennent que oui, voilà, il y a un souci, il y a mal, c'est pas la meilleure manière au fait. Pour ma part, moi, je le dis clairement. C'est qu'il reste Fosso, c'est Caresse Fosso, en plus il y a Fosso dans ton nom. Oui, bien sûr. Quand tu chantais pour le RDPC, tu n'as pas été interdit, pourquoi? Parce que tu es bamiléqué. Et que ceux qui boycottaient étaient bamiléqués. Voilà pourquoi toi, étant que tu es une fille bamiléquée, on ne t'a jamais boycotté. Oh là là. C'est une vérité. Elle te fait mal. L'avantage avec Amel Kamel, c'est que quand je viens, il tape sec. Quand je viens, je tape sec. Et ça ne souffle de rien. Le jour où vous allez quand comprendre... Je ne suis pas dans les histoires de que je vais tourner autour de vous pour te dire ce que je parle. Ouais, maman, les publicités de ça, oh. Moi, je bloque. Tu dois pas présenter. Je bloque parce que vraiment... Sinon, on va se faire ça, Dieu. Sinon, on va aller porter plainte. Il faut qu'on puisse, on te porte plainte. Parce que l'histoire de Hank, on est frère dans la diaspora, là, c'est fini. On est frère avec les gens qui sont vrais. On est frère avec les gens qui sont loyaux. Mais toi, Caresse Fosso, tu incarnes l'hypocrisie. Tu es le symbole de l'hypocrisie. Wow. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu ne veux pas de l'aide de l'Oshiga. Mais tu utilises, tu envoies les gens insulter l'Oshiga pour vendre toi tes biens. Caresse Fosso, tu n'as pas honte? À ton âge, 10 ans de carrière, tu es sûr que c'est la vraie carrière? Mais je pense qu'à un moment donné, j'ai pu entendre aussi sur la toile que il était question que... la baronne de Suisse était en train de négocier pour que aussi puisse chanter avec Caresse Fosso. Et il se pourrait que cette aide avait été... cette demande a été rejetée. Je ne sais pas où... Bonjour Dovi. Bonjour Douala, ma chérie. Bonjour, ma beauty. Donc, aujourd'hui, quand tu finis... Peut-être moi, j'aurais voulu que tu fasses ta sortie avant son concert. Ne dis pas que tu voulais l'insulter depuis... Comme ça, au moins, tu aurais fait ta sortie. Et même, comme toi, tu le dis, c'est trop facile de venir après quelque chose, venir dire que moi, je voulais le faire depuis, je ne l'ai pas fait. Tu es un homme, tu as les couilles, tu as tout ce qui va avec. Tu aurais pu faire ta sortie avant et même demander, comme vous savez si bien le faire sur la toile, parce que c'est votre fort, de toujours vouloir boycotter la vie des gens, boycotter les choses des gens, vouloir que oui, ça se passe, qu'on la boycotte comme ceci. Tu aurais pu, puisque étant donné que tu le dis, elle est hypocrite, elle s'est servie de l'image de Tanga pour pouvoir vendre ses billets d'après ce que tu dis. Bonjour, Sidonie, bonjour. Oui, je suis dans le noir parce que je suis rentrée de la boîte de nuit, j'étais fatiguée, donc voilà, j'étais en boîte cette nuit. En fait, j'étais dehors, je suis rentrée trop tard. Donc, tu aurais pu faire même demander, puisque vous êtes des champions, à toujours vouloir dire aux gens que boycottez tel, faites ceci, faites cela. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Ce n'est pas une histoire de pitié, ce n'est pas une histoire de compassion. Tu ne peux pas avoir de la compassion pour une artiste que tu vas venir demain. Dis que ouais, parce qu'aujourd'hui, ton concert est fini, j'attendais que ton concert se termine pour venir te lyncher, pour venir te dire, pour venir te... Je voulais t'insulter depuis. Mais les insultes n'ont jamais rien fait à quelqu'un.
Une chose est sûre, c'est qu'en 10 ans de carrière, comme tu le dis, elle a pu bâtir sa communauté. Elle a des gens qui l'aiment. Que ça plaît ou que ça déplaît, il y a des Camerounais qui sont fans. Et la preuve, son concert a été magnifique. Il y avait des gens. Il y avait des gens. Ouais, vraiment, ces gens-ci. Pourquoi vous aimez... Oh, vous nous fatiguez avec vos trucs, là. Caroline, bonjour. Vous nous fatiguez avec vos publicités, vraiment. Tu es sûr que c'est la vraie carrière? On peut se poser les questions que tu as sucé qui pour avoir le conseil, là. On peut se poser les questions que tu as donné les lasses à qui pour avoir le conseil, là. Pourquoi? Donc, ça veut dire que... Tu penses que tout le monde est arrivé à ce stade où les gens ont besoin de baisser les culottes pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent? Toi, tu n'as pas vu les débuts de Caresse Fotso? Tu n'as pas, tout le monde a vu ses débuts, comment elle a commencé, et elle n'a pas commencé ici. Dans le fait d'être sur la scène française, dans une salle française, en train de chanter, ça dérange. Ça dérange. Mais il faut savoir que là où les autres échouent, il y a des gens qui vont réussir. Ainsi va la vie. Coucou, Kamta, tu me chez des Andjigan. Comment vas-tu? Vérité. Parce que j'ai écouté le conseil, tu es nul. Ça ne t'a pas dit, Caresse Fotso, tu es nul. Elle n'est pas nulle, maman. L'époque où toi tu as percé là, c'était quand les gens étaient venus. Bonjour, ça n'a jamais été un fiasco total. On connaît là où le conseil était fiasco total. On a vu le concert le plus fiasco total ici sur la toile au rail. Ça ne chauffe pas. Il faut arrêter ça. On a vu le concert le plus fiasco total ici sur la toile au rail. Oh, Caïman, Caïman, Caïman. On a vu ce concert. On n'est pas parti derrière. C'est venu nous trouver ici sur Facebook. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Bonjour, Marc La Rose Chou. Comment vas-tu, ma grande? Comment vas-tu, ma grande? Non, on a vu le concert le plus nul. Oui, oui, on a vu ça ici sur la toile. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est un... Je dis que Tanga même, je dis que De Plou de l'un ne peut pas rivaliser avec. C'est ça qui est ça. C'est le jour et la nuit. Je dis ça, oh. C'est le jour et la nuit. Tu viens parler de quoi? Que son concert était nul? Avec tout ce qui... Pardon, partagez le direct, s'il vous plaît. Marc La Rose, s'il te plaît, partage mon direct, ma mère. Oui, 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 oui. Les pleurs, tu pleures, tu pleures. On a vu comment on a pris le micro ici. On a donné à Tanga. Elle n'a même pas pu sortir les mots dans sa bouche. Toi, tu viens pour nous raconter des conneries et venir vouloir salir l'image d'une icône camerounaise. Je te dis non, mon frère. Je te dis non. C'est ça. Je te dis non, tu es jaloux aujourd'hui, demain et après-demain. Et ça ne chauffe pas. On n'a pas peur de vous dire ce qu'on pense sur la toile. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Vous pensez que vous avez le monopole de la parole, le monopole des insultes, le monopole de dire que je tape la main sur la poitrine, je suis tel, je peux me permettre de dire ce que je veux, comme je veux. Il faut arrêter ça à un moment donné. On a dit allô le village, oui, pardon, il y a Caresse Fotso qui en consomme, on parle pas encore. Parce que je peux te faire le screenshot de la billetterie. Toi, ouais. Ouais, et alors? Et alors? Quand vous n'avez pas pu vendre, ils ont utilisé les billets. Tu dis 3 jours avant le concert. Mais n'oublie pas que les Camerounais sont les gens de dernière minute. Il ne faut pas oublier que les Camerounais, la plupart des temps, sont des gens que merci. Merci beaucoup. Merci, ma Rose. Il ne faut pas oublier que les Camerounais sont des gens qui adorent s'y prendre à la dernière minute. Et ça, ça ne chauffe pas. Elle a réussi son concert 100%. J'ai dit que la personne qui a tapé Poto Pro Max, toi-même qui es en train de parler là, tu connais. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Arrêtez votre hypocrisie. Madame Japa, bonjour. Bonjour, maman. On partage le live. Partagez le live. Bonjour, ma tata Chou. Partagez le live, on commence à 21h, ouais, partagez le live. À un moment donné, il faut qu'on se dise aux vérités. Quelle vérité? Tu n'as aucune vérité à dire. Tu es un pleureur. La culture camerounaise n'aime pas Caresse Fotso. Tu incarnes ce que la culture camerounaise n'aime pas. Kundolo Moulema, bonjour ma grande, pardon. Tu n'aimes pas voir les autres progresser. C'est vous qui n'aimez pas voir les gens progresser. Tu abuses.
Amen, amen, c'est toi le pro-masque qui n'aime pas voir les gens progresser. C'est toi le jaloux, le plus jaloux de la toile. Ça, je te le dis ça aujourd'hui. Tu es tellement jaloux que tu aimes seulement avoir tout pour toi et rien que pour les autres. Amen, amen. On n'a pas peur de te dire ce que tu es. Ce que tu es en train de dire là, c'est ce que toi-même tu es. Amen, amen. Tu n'aimes pas les gens. Tu n'aimes pas le progrès d'autrui. Tu aimes quand le regard se tourne sur toi. Tu veux toujours exister. Tu cherches tous les moyens pour qu'on entende parler de toi. Tu as envie d'exister par tous les moyens. Mais à un moment donné, il faut que tu te fasses oublier. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Tu ne peux pas venir dire que Caresse Fosso, elle ne te connaît même pas. Elle ne sait même pas si tu existes. Elle ne sait même pas si un jour dans sa vie, elle aimerait croiser ton image ou ton visage ou ta... Je ne sais même pas quoi. Peut-être où elle est là même. Elle, pendant que toi, tu es en train de faire ton direct là. Langa était en train de se mettre tellement bien avec un bon champagne, en train de vivre sa vie. Mais toi, tu es là toujours en train de venir toujours fourrer ton nez là où il ne faut pas, mon frère. Quand c'est bon, il faut dire que c'était bien. Et c'est dommage parce que c'est toi qui es aigri, Amek Amé. C'est toi le plus aigri de la toile. C'est toi le plus aigri de la toile. Celui qui n'aime pas le progrès de ses sœurs. Celui qui fait semblant d'aimer ses sœurs. Celui qui fait semblant d'être bien avec tout le monde. Mais alors qu'en retour, là, si ça ne dépendait que de toi, là, il n'y aura que toi seul et toi seul sur cette toile. On va te dire souvent ton nom parce que ton vrai nom, c'est ça. Voilà. Et tu envoies qu'on insulte les autres chanteurs. Ouais, c'est ça. Les qui? Les qui? Parce que c'est toi qui as envoyé. Les qui? Les qui? Les quels chanteurs? Tu parles des chanteurs? Attends un peu, dis-moi c'est quel chanteur. Donne la liste. Hein. Donne la liste. La lesbienne, là, la baronne. C'est toi qui as envoyé l'homme double. C'est toi qui as envoyé la double cible là. Oui. Allez insulter au Fida. Ah. Si tu voulais ah. Donc pour toi là, d'autres chanteurs là, c'est seulement Oshiga. Donc quand tu dis qu'envoyer inciter d'autres chanteurs, ta part c'est seulement Oshiga sur la terre. C'est la seule qui fait la musique sur la terre. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Tu ne connais personne d'autre qui chante en dehors de Oshiga. Mais Amek Amé, tu vas pleurer toute ta vie. Parce que si c'est comme ça que tu penses que en venant clasher d'autres musiciens, en venant insulter des personnes au nom de Oshiga, que tu vas penser que tu es en train de l'aider, mon frère, tu es en train de détruire sa carrière. Tu comprends ce que je te dis? Tu es en train de bousiller sa carrière. Merci Jaguar, merci d'avoir partagé le direct. Merci à tous ceux qui ont partagé le live. Fleur Kunga, bonjour. Bonjour à tous qui osent mélanger cette grande... Mais je te dis que c'est terrible, celui-là, ma soeur. Pardon, aidez-moi à partager le live si que ça arrive à Madumba. Mais quand je vois pourquoi tu n'as pas... Je vois pourquoi toi, tu ne pouvais pas inviter au chien. Je vois pourquoi tu ne pouvais pas l'inviter. Parce que ton niveau de chant est naze. Coucou! Je... Criant sur lui, oh! Ouh, la honte du quartier, oh! Ouh, la honte du quartier. Ya, Amek Amé. Ya, Amek Amé, tu peux dire ça, hein? Donc quand toi tu regardes Caresse Fosso, tu regardes Oshiga, tu peux comparer Caresse Fosso à Oshiga, Amek Amé. Il y a une comparaison à faire, papa. Hey, mamma mia, venez, oh. Venez, on crie sur lui, oh, pardon, oh. Ouloulouloulouloulou, pardon. Eh, la honte. La honte du quartier. C'est une grosse honte, pardon. Parfois même quand tu veux parler, tourne ta langue 7 fois avant de dire certaines choses. Au moins, dans ton esprit, tu auras le temps de réfléchir pour mieux reformuler tes phrases et dire, pour ne pas sortir la bêtise de la bouche, en vrai. Donc toi, pour toi d'abord, seul musicien, c'est Oshiga. Et de deux, tu estimes que... Hey, Anewama, oh lolololo, wouish, la honte. Hey! 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 Hey!
Maman. Oui, maman. Ils sont seulement là parce que tu lançais la campagne politique. Mais ils vont se mélanger. Est-ce que c'est faux? Rassembler tous les membres de la base. J'étais surpris de voir toute la base à ton concert. Ça veut dire que tu étais incapable. On dit que, oh, carré, faut faire la wall. Quand tu es suis, c'est qui se passe? Écoute, non. Toi, tu dis qu'elle a mélangé tous les membres. Mais attends, nous sommes dans un pays libre. Nous, les êtres humains sont libres de circuler et sont libres de se faire plaisir. Tout le monde est libre d'aller où il a envie d'aller. Si les membres de la base ont envie d'aller au concert de Caresse Fosso, toi qui pour les interdire de partir là-bas? Toi qui pour les empêcher de partir là-bas? C'est quoi le problème au fait? Vous n'arrivez pas à comprendre que nous sommes tous un et on n'est pas... C'est-à-dire qu'on ne sera jamais divisé. Jamais de la vie. Vous n'arrivez pas à comprendre ça. Vous n'arrivez pas, tu n'arrives pas à accepter ça. Je m'adresse à toi particulièrement. Quand tu te lèves maintenant, tu viens faire ce que tu es en train de faire là, c'est pour montrer quoi? Tu penses que tu vas convaincre qui? Tu penses que... Mais je trouve que c'est lâche de ta part. Je trouve que c'est lâche de ta part. Merci. Je trouve que c'est lâche de ta part. Parce que tu aurais pu sortir et venir te mettre au devant de la scène et dire avant tout ça là que, écoutez, voilà, dénoncer. Pourquoi même le jour du concert, tu n'as pas dénoncé? C'est la question que moi je te pose. Puisque toi tu me yards que tu as une voix qui parle. Puisque comme toi tu t'assois ici, tu dis que moi, Ahmed, quand je parle, les gens m'écoutent. Quand je parle, ça résonne. Hey, mon frère, tu n'es pas seul sur la toile. Tu commences à nous fatiguer. Tu as compris avec quoi? Quand tu demandes aux gens de prendre leur retraite, là, toi, tu dois être en retraite. Tu devais déjà être en retraite depuis 10 ans en arrière. Tu nous fatigues. Oui. Tu nous fatigues. Merci, Flo. Non, partage mon direct, s'il te plaît. Malgré le fait qu'on a mobilisé, on a utilisé l'image de Lady Ponce. Il y avait un fleur de lit là-bas. Il y avait tout. Attends, tu dis que tu n'as pas vu un blanc dans la salle. C'est obligé qu'il y ait des blancs dans la salle. C'est obligé que les whites puissent être dans cette salle. Où est ton problème s'il n'y a pas de blanc? Malgré qu'on ait utilisé l'image de Lady Ponce, on utilise qui on veut tant qu'on arrive. Mais ce qui te fait mal, c'est parce que... Où les autres ont réussi, Tanga échoue. Et tu as mal. C'est ça qui est ça. Où les autres réussissent, Tanga échoue. Et tu as mal. Donc tu as tellement envie que on soit toujours en train de dire que tu as quelque chose. Mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Parce que même quand on t'écoute souvent, parfois, on a même envie de t'accorder un peu de bénéfice de doute en passant. Mais on comprend que même mon frère, celui-ci même, en vrai, non, ce n'est même pas la peine. Oh oui, ça, je te dis, ça cache. Je te dis, ça cache, je ne tourne pas. Chris, c'est comment? Bonjour. Je te dis, ça cache. On a vu tel là-bas. Mais c'est normal. Ce sont des Camerounaises. Est-ce que Caresse Fosso est une white? Est-ce que Caresse Fosso a besoin forcément que des whites soient à son concert? Pourquoi tu es complexé? Pourquoi ce complexe? C'est une Camerounaise. Mieux toute l'Afrique se réunir là-bas, ça nous arrange. C'est les whites qui vont nous apporter quoi? Bonjour Rosie Kameni, bonjour ma chérie. C'est les whites là qui vont venir nous donner quoi? C'est le Watt qui allait changer quoi à son concert? C'est le Watt qui devait amener quoi de nouveau dans la vie de Caresse Fosso? Dis-moi un peu. Toi, tu as envie que Tanga excède dans la musique, mais tu es en train de lui foutre les bâtons dans les roues, mon frère. Tu lui fous les bâtons dans les roues. Oui, parce que tu ne connais même pas l'importance de ce que tu... C'est de l'importance de vouloir conquérir le monde de la musique. Oui. Tu n'aimes pas... Il y avait tout le village réuni. Malgré ça, tu étais incapable de remplir une salle. Tu es chanteuse. Non.
Faut qu'on te dise la vérité. Oukou. C'est une grande chanteuse. Tourne pour te dire cette. C'est une grande chanteuse. Quand elle chantait sur scène, tu n'entendais pas le son de sa voix. Les mots n'étaient pas avalés. Elle n'est pas venue se plaindre que le micro est monté. Elle n'est pas venue dire qu'on a boycotté. On l'a boycotté sur scène, que le DJ l'a boycotté. Est-ce que tu as entendu ça? Est-ce que tu as entendu ça, mec? Mais je m'adresse à toi. Tu as entendu que Caresse Fosso est venue le lendemain dire que le micro avait un problème. Le DJ m'a boycotté. Et elle n'arrivait pas à dire. Elle a une chanson qu'elle chante là que j'aime bien. Oh, elle a une chanson là. Ouais, mon Dieu, j'ai oublié. Est-ce qu'elle est venue se plaindre? Est-ce qu'elle a dit que ouais, ma chaussure me serrait au pied? Que ouais, c'est telle personne qui est responsable de ma chute? Pourquoi tu pleures le bonheur des autres comme ça, mon frère? Tu dis que tu es le grand, le célèbre, l'unique, Amek, Amek. C'est vrai que quand tu ouvres ta vidéo, tu te mêles en live, tu parles, les gens t'écoutent. C'est-à-dire que tu donnes le son aux gens. Mais on comprend qu'au final, tu es un pleureur. Un vrai pleurnicheur. Tu pleures même plus qu'un enfant de 2 ans, mon père. Est-ce que tu te rends même compte que ce que tu es en train de faire là, c'est même disgraceful. Ça te rabaisse. C'est-à-dire que ça te salit. Tu vas nous dire quoi? Tu vas nous dire quoi de nouveau qu'on n'a jamais entendu? Hein? Je m'en vais. On a insulté aussi pendant des mois et des mois pour vendre des places. Eh, Kankachou, ne m'énerve pas. Reste tranquille. Les places du pauvre conseil de Caresse Fosso. On l'a insulté. Qui l'a insulté? Mais ce qui est bien, c'est que les gens s'enseignent sur la toile. Les autres n'insultent pas, c'est toujours les autres qui insultent. Donc, au fait, pour toi, la meilleure musicienne, c'est Oshiga. Et en dehors d'Oshiga, il n'y a plus personne. On l'a insulté. Elle n'a jamais insulté X ou Y. Quand t'as-tu Michédé, ne viens pas me dire que je cherche les problèmes. Hein? D'accord? J'ai le droit de donner mon avis. J'ai le droit de dire ce que je pense. Personne ne me dit quoi faire ou quoi dire. Tu as compris avec quoi? Quand lui, il sort, il insulte une icône, ça te fait plaisir. Quand il insulte, Caresse Fosso, tu es contente. Tu n'as pas honte de venir écrire ça dans mon live. Quand je cherche les problèmes au qui? Toi, tu me connais même. Tu penses que moi, là où on m'insulte, ou tu penses que quand même, moi, je finis avec lui et je nique le reste. Ce qu'il va faire derrière, ça ne me concerne pas. Je n'en ai rien à cirer. Rien à cirer. Rien à cirer. Quand les gens sont faux, quand les gens sont fake, quand les gens sont n'aiment pas le bonheur des autres, il faut leur dire ça. Et il ne fait peur à personne. Il ne fait peur à personne. Non, non, pardon, laissez arrêter de venir écrire les choses comme ça. Arrêtez de dire toujours aux gens qu'il faut qu'on ignore des gens. Mais il faut arrêter ça, vous aimez trop ça. Si tu veux ignorer, toi ignore. Laisse les gens qui ont envie de s'exprimer, s'exprimer. On ne force pas quelqu'un à être dans quelque chose. Arrêtez de venir dire aux gens ce qu'ils vont faire. Lui, quand il vient parler aux gens dont il est en train de parler là, les gens là sont des chaises. Ce ne sont pas les êtres humains. Ce ne sont pas les êtres humains. Alors, vous aimez trop faire genre comme si on doit toujours tout laisser passer. Il vient s'attaquer à Caresse Fosso. Caresse Fosso le connaît. Caresse Fosso l'a déjà vu quelque part. Ils ont déjà mangé ensemble. Il faut arrêter. C'est vous qui faites. On ne valorise pas vos stars, vos artistes. Après demain, on va dire que oui, les blogueurs sont toujours en train d'insulter les artistes. Vous pensez que c'est normal ce qu'il est en train de faire? Au profit de qui? Il vient rabaisser une icône au profit de qui, au fait? Mais dites-moi. Ignorer, c'est trop facile de venir écrire. Pardon, ne me prenez même pas la tête avec ça. Niveau de chant, nul, j'ai vu. Maman, j'ai d'abord ce qu'on appelle. Et quand je regardais ton concert en live. Tu regardais. Je regardais ton concert. Ah, ouais, la honte. Quand j'ai regardé, j'ai dit, waouh. Il n'a pas le niveau. Elle n'a pas le niveau. Ouh, tu n'as pas le niveau. J'ai regardé, je dis, c'est ça.
On peut comparer le jour et la nuit, Adama. On peut comparer le jour et la nuit. Moi, je ne vais même pas lire. Je vais d'abord te passer toi, tu me... On peut comparer le jour et la nuit, maman. Que qui n'a pas le niveau. Donc, pour toi, qui a le niveau que Caresse Fosso? Donc, pour toi, qui a le niveau que Caresse Fosso? Donc, pour toi, Tanga a le niveau que Caresse Fosso. Mais mon frère, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, dis donc. Ah oui, oui, je te tape sec et ne me porte pas les gants. Je comprends pourquoi on attaquait au sida. Je comprends pourquoi on l'attaquait par rapport à quoi? Elle n'insulte pas. Parce que quand elle n'insulte pas. Maintenant, personne ne prend la prestation de Caresse Fosso. Tu vas vous sortir sans dire. Elle n'insulte pas. On m'a envoyé tout l'envers. On me dit, ah, mais quand même, voilà pourquoi on a donc refusé. Tu fais la wall music, tu arrives là-bas, c'est le village qui était rassemblé. Mais bien sûr, c'est le but. C'est le but d'organiser un concert. Mes amis, mettez les cœurs partagés, je le dirai s'il vous plaît. Mais c'est le but d'organiser un concert. Mais le but d'organiser un concert, c'est pour quoi? C'est pour qu'il y ait du monde, même si c'est tout le quartier qui sort. Arrêtez de faire genre. Arrêtez de faire comme si vous allez dicter aux gens leur manière de faire leur chose. C'est-à-dire que même si c'était tout Paris qui était rassemblé là-bas, maman, ça n'est sûrement être bien pour elle et bien pour nous. Eh, mes amours, attendez, je vais ouvrir, j'arrive. C'est le but. C'est le but. Donc, on va se dire nos vérités ici, Roha, et ça ne chauffe pas. Vous aimez entendre que vous avez le monopole de la parole sur Facebook. Wow, c'est vous. Wow, c'est ceci. Wow, c'est monté. Nous, on est là pour vous dire aussi que fermez vos bouches. Les fans étaient où? Comment ça se passe? Les membres de la basse sont déjà les membres de Caresse Fosso. Oui! 80% de la salle, c'était non plus que les gars de la basse. On va faire comment maintenant? Oui, c'était ses membres. Oui, c'est les gens qui aiment ce qu'elle fait. Est-ce que des gens ont besoin de se cacher pour aller à son concert? Est-ce que des gens ont besoin de venir faire semblant devant vous? Parce que toi, tu vas faire un live pour dire que telle personne était présente. Mais déjà, ils sont libres de circuler, mais enfin. Hein? De quoi tu parles? De quoi parle l'auteur? De quoi peut même parler l'auteur? Quel message tu peux passer au fait? Parce qu'il n'y a aucun message positif dans ce que tu es en train de dire à l'endroit de cette femme, à l'endroit de cette icône. Il n'y a rien. On va faire comment? Attendez, je baisse un peu. Mais vous allez toujours, toujours chercher les problèmes là où il n'y en a pas. Vous n'acceptez pas la défaite au lieu de vous remettre en question. Apprenez à vous remettre en question pour mieux rebondir dans la vie. Apprenez à travailler dur pour y arriver. Vous pensez que c'est quand vous allez insulter, venir clasher, venir vouloir faire comme si vous étiez des gens parfaits que ça va aller? Non. Arrêtez. Comme c'est l'enfant du chien, c'est définitivement. Arrêtez. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, ouais. On tapote. Mettez les cœurs, mes amis. Les gens croient qu'ils sont trop... Ils ont tout, quoi. Ils ont tout à dire aux autres. Mais c'était pugnace avec elle. Le baron de Suisse, là. Tu comprends que dans l'art du crime, tu connais du monde. Ah oui. On a vu, maintenant tu es veuf. Maintenant tu es veuf, tu peux dilapider
le peu d'argent qu'on a donné là pour l'en donner pour l'assurance, tu peux dilapider ça comme tu veux. Et ça te fait quoi? Si elle dilapide l'argent d'assurance de son Joe, ça te fait quoi? Tu étais à côté d'elle, de lui, quand il était malade. Tu étais là, tu l'as soutenu. Elle-même, tu lui as dit que ma soeur va la dire, oh, je te soutiens. Pourquoi vous êtes ingrat comme ça, mauvais, méchant? Ah, mais tu es mauvais, hein? Tu es mauvais, mon frère. Tu es mauvais. Tu peux dilapider ça comme tu veux, autant que tu veux. La jalousie te veut quoi? Waouh! Le mal-être est profond, mon frère. Tu peux dilapider ça autant que tu veux. Hey! Ouh! On peut faire ça, mes beauty. On peut faire ça. Donc, voilà. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, là. Au jour d'aujourd'hui, dis-moi un peu. Genre, tu es dans la musique camerounaise. Oui. Tu es dans la musique. La baronne, donne-moi le nom d'un seul artiste que tu as produit. Donne-moi le nom d'un seul artiste que tu as produit. Mais et puis quoi? Toi, tu en as tu produit combien aussi, là. Tu l'as empoisonné aussi, là. Tu en et as produit qui? Combien à la fête. Et avec qui? Tous les gars de la basse. Mmh. Là. Mmh. Après aussi, la cause te portait même pour tentative de kidnapping. Une tentative de quelque chose. Parce qu'il y avait tous les, il y avait les gars de la base qui étaient là. Il y avait les mouches qui étaient là-bas aussi. Donc ça veut dire qu'elle avait elle a un problème avec eux. Donc ça veut dire que quand tu dis que tentative, c'est très grave ce que tu es en train de dire. Elle peut porter plainte pour tentative de kidnapping. Que qui devait la kidnapper là-bas devant 10 millions? Je ne sais même pas combien de personnes, c'est 300 personnes. Et par rapport à quoi? C'est quoi le but? Hey, maman, hey, oh, les pleurs de ça, oh. Avec tous les extrémistes qui n'aiment pas aussi. Alors, partagez le direct, mettez les cœurs. Ouais. Hey, on peut faire ça. Tu prends aussi, là, tu invites. Oui. Avec tous ceux-là qui n'aiment pas. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on ne puisse pas l'aimer? Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on ne puisse pas l'aimer? C'est quoi son comportement vis-à-vis des autres? Est-ce que ça, tu peux au moins se lui poser d'abord la question? Est-ce que tu peux répondre à ça, Amen, Amen? Qu'est-ce qu'elle fait pour qu'on ne puisse pas l'aimer? Pourquoi tu vois le mal partout? On va lui faire quel mal? Qu'elle apporte quoi? Elle va se dire, tu dis qu'elle lui fait du mal, ça sera fait quoi au fait? Gagner quoi en faisant du mal à Oshida? En vrai? De les gens de la base, oui! Ils étaient là, ils se sont amusés, ils sont rentrés chez eux comme tout le monde. Pourquoi ça te fait si mal? Tu aurais pu payer ton ticket et partir. Tu aurais pu payer ton ticket, aller aussi soutenir Caress Fosso. C'est pas ta soeur, c'est pas ta soeur compatriote, c'est pas, elle n'est pas comme toi. Non, mais vraiment, franchement, je sais pas, hein. À quel moment est-ce que, quand c'est dit, quand tu t'entends même, ça c'est les bêtises que vrai, non? Tu mérites même qu'on te chicote. Tu n'es rien dans la musique, rien. Tu essaies de te coller derrière, pour essayer de montrer aux gens que tu ne fais rien. Effet. Tu essaies d'avoir une page Facebook pour exister dans quelque chose. Tout comme toi, ta page Facebook, c'est pour exister. Tu fais quoi? Tu apprends quoi? Tu apportes quoi au Camerounais? Amen, Amen, tu apportes quoi au Camerounais? Parce que moi, je ne peux pas m'inspirer de toi. Parce que moi, je ne peux pas... Je ne peux pas conseiller à mon entourage de venir te suivre. Tu n'apportes rien. Tu ne fais rien. Tu veux quoi? Oh, la page est montée. Oh, c'est montée. C'est... Toi-même, ta page, c'est à quoi? C'est nul. Je dis bien nul. Tu es un pleurnichard, mon frère. Tu pleures aujourd'hui, demain et après-demain. Toute ta vie, ce sont des pleurs. Toujours en train de se plaindre. Un homme ne peut pas se plaindre comme ça. T'es pas une femme. Même les femmes de la toile ne pleurent pas comme toi. Les femmes de la toile que tu humilies tous les jours là ne pleurent pas comme toi. Et je te dis ça. Ouah. Parce que c'est ta passion. Humilier les gens. Dis donc, va là-bas. On déteste. Quand on parle, tu es en train de... Tu veux écrire tes conneries qu'on la déteste. Qu'elle sait à quoi? On la déteste, qu'elle a quoi d'important pour qu'on puisse venir prendre ça? C'est simple.
Voilà pourquoi la musique camerounaise n'avance pas. C'est à cause des gens comme toi. Voilà pourquoi la culture camerounaise en Europe. C'est à cause des gens comme toi que la culture camerounaise n'avance pas. Et elle avance. Parce qu'elle est aux mains des autres là qui ne veulent pas. C'est toi-même. Je sors une web TV. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Je dis bien que c'est toi. Nous-mêmes, on a vu comment tu avais ta propre bouche. Tu as dit que tu prends la matière sur des gens. Tu oublies ton passé. C'est toi-même. Toi-même là. Toi-même. Tu es un cas social. Tu es un cas social. Ouais. Il faut que quand on te met, on dit qu'on te fouette avec l'arbre de paix. On doit prendre l'arbre de paix, te fouetter avec. Prendre un seau, mettre le sel et le jujube dedans, te laver avec. Toi là, tu n'aimes pas le progrès. Tu n'aimes pas le progrès. Tu parles de quoi? Tu as donné les leçons aux gens? Tu n'es pas un exemple. Je suis désolée, tu n'es pas un exemple. Tu n'inspires personne. À part toujours vouloir, à part vouloir que des gens se mangent entre eux. Tu n'inspires personne, mon frère. Arrête ça. Que les artistes qui n'ont pas été. Il y a beaucoup d'artistes camerounais. Oui. Oh. Toi-même, Dieu te voit et Dieu te voit avec tout. Avec Amek Amek, tout cela que toi tu aimes là. Oh, Dieu vous voit aussi. Ils ne veulent pas donner les lasses ou parce qu'ils ne veulent pas dire le tort. Oui. Ne vous inquiétez pas. Donc, au fait, pour vous, la réussite de quelqu'un se limite aux lasses. La réussite de quelqu'un se limite aux lasses. Donc, parce qu'elle ne veut pas donner l'ontact, on va déboycotter quelqu'un. Mon frère, l'expérience a prouvé que le plus vieux métier au monde, et l'expérience a prouvé que le monde d'aujourd'hui, malheureusement, s'est fait de tout pour réussir. Voilà pourquoi les gens passent leur temps à sonner la cloche pour dire que faites attention. Tu as compris avec quoi? Canalise Tanga. Oriente Tanga. Dis à Tanga que nous on a beaucoup fait. On accroche les gens. On a fait ceci. Maintenant là non, calmons-nous. Travaillons. Propose autre chose. Ce n'est pas parce que tu vas venir dénigrer ces gens-là que tu penses que ça va changer quoi que ce soit. Et je te dis encore que même si demain, Caresse Fosso relance un concert, il y aura toujours du monde. Et tous ceux qui étaient là vont partir. Et ça ne chauffe pas parce que toi, tu ne peux rien contre 10 000. Rien. N'importe rien, mon frère. Arrête de venir bavarder pour bavarder. Tout ce qui ne te tue pas. Joanda, ma prudence, chou. Prudence, tu as partagé le live, ma grande. Tout ce qui est venu, tu te rend plus fort, oui. Je vais réactiver ça. Attends, pour faire quoi? Vos histoires de que les soirées camerounaises sont seulement entre les artistes qui donnent les lasses et les artistes cognasses. Elle est pleine. Je dis bien. Ouais, elle est pleine du bolet. Ouais, Seigneur. Oui, mon Dieu, les pleins de ça. Mais pourquoi tu ne fais pas aussi pareil? Mais Dieu aussi à Tanga de faire pareil, non? Comme ça, ça sera tranquille, non? Tu parles même de quoi? Que votre. Hé, travail. Seul le travail paye. Soyez déterminés. Ok? Ok? Que vos soirées, c'est juste, c'est juste. Tous les petits, les jeunes, là, les Chris M, les ténors, tous ces gars qui sont en train de voyager, qui viennent en diaspora faire des concerts. Ce ne sont pas les stars. Je ne m'occupe pas vraiment du milieu. Oui. Mm-hmm. À tous les artistes nommés. Ouais. Qu'on ne connaît pas. Ils sont pleins. Ah, Tanga en premier. À tous les artistes nommés. Tanga en premier qu'on ne connaît pas. Quand tu cites là, commence par la tête. Ce que toi tu penses que c'est connu là, mets Tanga d'abord. Tu as compris ou quoi? Mets Tanga. Quand vous voulez rabaisser les gens, on va vous montrer qu'on peut aussi très bien vous rabaisser. Ça ne chauffe pas. Oui, 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 oui. Ça ne chauffe pas. Mets Tanga. Tanga aussi artiste no name. Tanga est artiste no name. Tu veux rabaisser une star comme Caresse Fosso? Je te dis non. Tanga est artiste no name. C'est elle la no name.
Commence par elle. Encore on ne connaît pas. Il est temps qu'on organise aussi maintenant nos concerts. Organise, non? On a peur. Vas-y. Parce que ce n'est pas... C'est la jalousie. Donc on comprend finalement que c'est parce que tu es jaloux que les autres organisent. Ce n'est pas restant dans vos chats. Oui, c'est... donc on comprend que c'est parce que tu es jaloux parce que les autres organisent et que ça prend. Et que quand toi tu organises ou que quand tu essayes de faire, ça ne prend pas, ça ne dure pas. Est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est de la faute des gens? Est-ce qu'on a peur de ça? Organise. Organisez. Organisez. Montrez que vous êtes. Tu bavardes trop, mon frère, pour un homme. Que vous allez évoluer. Dans la diaspora, si tu es une femme, on va te chopper le top. Si et ça fait quoi? Dans une salle minable. Et ça fait quoi? Si on chope le top, et ça fait quoi? Maman, j'ai dit qu'elle est mon père, ça fait quoi? Le tot est fait pour être chop, non? Où est le problème? Tu as mal, où c'est ton tot? Est-ce que c'est ton tot qu'on chop? Pourquoi toi tu as mal? Pourquoi tu as mal? C'est ton tot qu'on est en train de chop. Contente-toi d'une tot que tu as à côté de toi et puis tu laisses les autres vivre leur vie. Mon frère, ne viens pas nous saouler tous les jours, mon frère. Go walk. Dis donc, go work. Tu as dit que tu veux faire de Facebook ton lieu de travail. On travaille. Tout ce qui est sur la toile, là, on prend, on décrypte, on te dit ce qu'on pense. Ça ne chauffe pas. Go work. On va te chopper, on va te gnasser avec le faux promoteur. Oui, tu es mal. Peut-être que tu voulais gnasser aussi ça. Hein. Mais comme toi, tu es incapable, tu n'as pas le niveau. On va aller tourner. On va aller montrer votre potentiel chez les autres. Il y a beaucoup. Il y a la musique camerounaise se résume aux gens qu'on a toujours vu tous les jours. Ah, calme. Ça fait quoi? Mais personne n'est star. Ils font de la bonne musique dans la diaspora. Ils sont où? Ils sont où? On va vous tourner le dos. Ils sont où? On va vous tourner le dos. On va vous tourner le dos, on va vous tourner le dos. Ils sont où? C'est dans les réseaux qu'on va trouver les gens qui nous suivent. D'ailleurs, la plus forte communauté qui nous suit dans les réseaux sociaux n'aime pas les soirées africaines, n'aime pas la culture africaine à cause de cette mentalité-là. Voilà pourquoi ils sont avec nous. Tu mens, c'est ce que toi tu dis, tu mens, tu es un menteur. La preuve, tu n'es jamais dans une soirée camerounaise. Depuis que je te vois, tu n'as jamais été dans une soirée camerounaise. C'est toi qui es complexé. C'est toi qui as peur d'aller vers tes frères. C'est toi qui as peur d'aller encourager tes frères. C'est toi qui as peur d'aller assister tes frères qui viennent nous divertir, qui viennent vanter le mérite de la culture camerounaise. C'est toi. C'est toi, Judas. C'est toi. Tu parles de quoi, mon frère? Nayoubi Judas Iscariote, c'est toi. Tu as peur. Tu as peur. Je dis que tu as peur aujourd'hui, demain et après-demain. Et tu penses que tout le monde est comme toi. Personne n'est comme toi. Arrête ça. Arrête ça vite. On ne t'a jamais vu quelque part aller encourager quelqu'un. Et tu voudrais que le jour où tu vas vouloir faire que les gens viennent t'encourager, il n'y aura personne aussi pour venir t'encourager. Comme toi, tu veux boycotter aussi les autres aussi. Personne ne viendra aussi. Oui, oui, c'est comme ça. N'importe quoi. C'est quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, quand les gens vous aident là, vous ne voyez pas, vous n'appréciez pas. Aujourd'hui, tu viens parler des non-names. Oh, la honte du quartier, vraiment, c'est honteux. Elle pleure, pleure jusqu'à demain, papa. Dans les réseaux. Pleure. Que chaque artiste non-name essaie de créer ce qu'on appelle une fanbase. Quelle fanbase? Que chaque artiste non-name. C'est toi qui as donné les conseils, tu es mal placé. Une fanbase. Même si c'est 10 personnes, 50 personnes, il n'y a pas de souci. Oui. On peut aussi se battre maintenant. Tanga est une artiste non-name. Donc tu es en train de nous annoncer que Tanga est une artiste non-name. Donc tu es en train de chercher à créer une fanbase de 10 personnes pour elle. Ouais, Seigneur, est-ce que vous avez même écouté le live? Est-ce que vous avez même bien compris ce qu'il est en train de dire? Donc, Tanga, es-tu non-name? Es-tu en train de chercher à créer une fanbase pour elle? Ouais, mon père, Yako, on peut pleurer comme ça. Hey, non, un homme ne pleure pas. Oh, un homme agit, hein. Un homme ne pleure pas, un homme agit.
on organise que les concerts où il est avec ses amis. Nous, on n'est pas dans le réseau de Torpedo. D'accord. Il reste là-bas avec ses artistes qui promouvoient tout. C'est parce que tu n'as pas, parce que tu n'as rien. C'est parce que tu ne peux pas. C'est parce que tu n'as pas les qualités ni les capacités, mon frère. Il faut dire la vérité. Tu veux raconter quoi? Tu crois que les paroles là, le verbe ou c'est les mots que tu es en train de sortir, ça impressionne qui? Tu aimerais bien être avec ces personnes qui font la promotion de la musique camerounaise. Tu aimerais bien avoir leur adresse. Tu aimerais bien être en contact avec eux. Mais c'est parce que tu sais d'office que tu es barré. Parce que tu n'arrives pas à vouloir comprendre que dans la vie, il faut marcher ensemble pour réussir. Parce que tu ne comprends pas que dans la vie, il ne faut pas, tu ne peux pas arriver seul. Parce que tu crois que tu es capable de pouvoir venir et dire ce que tu as envie de dire et le lendemain venir en dire aux gens que voilà ce que je veux faire et puis que des gens puissent te suivre. Ce sont des moutons qui vont te suivre, mon frère. Des personnes intègres, intelligentes, des personnes qui sont visionnaires ne viendront pas te suivre. C'est aussi simple que ça. Alors si tu as besoin d'aide, demande de l'aide simplement. Demande de l'aide simplement. Appelle tes frères. Dis à tes frères que, écoutez, moi aussi, j'aimerais bien que Manga aussi, qu'on puisse l'aider à avancer. Il y a quoi? Pourquoi faire genre? Quand ça ne va pas, on dit, on assume. Pourquoi faire genre? Pourquoi faire comme si c'était pas, c'est pas normal? C'est normal. Nous, on ne fait pas, nous, on ne fait pas. Mais sauf que ce que vous faites, ça n'a aucun sens. Vous voulez faire quoi? Montrer quoi aux gens? Ou tu veux montrer quoi? Quoi? Je ne sais pas si je suis ni à ces artistes-là ou pas. On ne sait pas. Mais ton père ne te passe un message. Moi, je ne te connais ni d'Adam ni d'elle. Mais j'entends toujours parler ton nom dans le milieu. Mais si tu ne le connais pas, pourquoi tu as changé ton parti pris? Pourquoi tu parles de quelqu'un que tu ne connais pas? Pourquoi tu parles de quelqu'un que tu ne connais pas? Pourquoi tu vas indexer quelqu'un que tu ne connais pas? Tu es parti vers lui? Est-ce que tu es allé vers lui pour lui demander que mon frère, voilà ce que j'aimerais? Hein? Tu dis qu'il a déjà pris son parti, tu le juges, tu le condamnes. Hé, hey, Adam, on peut faire ça. Ouh, les pleurs, les pleurs de ça. Hé, Seigneur, j'ai entendu souvent que les gens pleurent, mais la qualité des pleurs, si maman, ça dépasse mon entendement. On embête. Les portes s'ouvrent partout. Mais vas-y! Mais c'est malheureux pour toi de prendre les artistes qui émergent et de les envoyer autre jour parce qu'ils font de l'ombre aux autres artistes. Artistes et producteurs. Vous êtes dans le même. Vous êtes dans le même game. Ouais, le gars, s'il va finir. Vous savez qu'elle n'a pas suivi le live si avant. Hein. Donc, au même moment, elle décrit. On fait de l'ombre aux artistes qui émergent comment mon père. Est-ce que quand Chris M est venu prester en France, on a refusé d'aller soutenir Chris M? Est-ce que quand Ténor vient prester, on refuse de soutenir Ténor? Est-ce que quand Malos ou les autres, là, Mani Bella, quand ils font leur petit concert, on refuse d'être avec eux? Ouais, vraiment, pourquoi t'as-tu fait ça? Pourquoi tu fais ça, mon frère? Pourquoi tu fais ça, ma soeur? Tu es sûr que tu aimes vraiment ma soeur là? Tu es sûr que tu l'aimes vraiment? Tu es sûr que toi-même, tu n'es pas seulement en train de vouloir, que toi, tu n'aimes pas son progrès? Comme tu dis qu'il faut qu'on dise des vérités, que tu es là, tu aimes dire la vérité aux gens, tu ne l'aimes pas, mon frère. Tu n'aimes pas ma soeur Bafanga. Je dis ça, oh, tu ne l'aimes pas parce que si tu l'aimais, ce n'est pas comme ça que tu devais parler. Bah. Ce qui se passe là, tu aimes ça. Tu es à l'aise avec. Tu fais genre. Même tu fais genre. Et ça ne chauffe pas. Hey, Dieu. Hey. Vous êtes dans le même game. Mmh. Artiste et producteur. Ouais. Ça, je vous le dis. Oui. Vous êtes dans le même game. Et ça ne chauffe pas. Et ça change quoi? Tout le clan de Torpedo, les artistes, les promoteurs, les organisateurs de soirées. Vous avez passé le temps à niaiser tous les petits artistes. Ok. Attends. Mon piment rouge, comment vas-tu? Je sais, tu me l'as dit.
Vous avez passé le temps à niaiser toutes les petites artistes. Non, non, si ton artiste, ton niaise, non, mon frère, et puis on voit les artistes aujourd'hui. Fatigue pas des gens, dis donc. On voit les danseurs qui veulent devenir chanteurs. Mais quand l'artiste est encore là, il ne peut pas passer. Et à tous les domaines. Et ça fait. Et puis, restez quoi? Avec votre sale milieu de la jazz où on joue. Laisse ça, mon frère. Travaille. D'autres se sont démarqués comment? Les autres ont fait comment? Ils sont passés de danseurs à devenir des chanteurs pros. Chaka la vieille, puis elle dansait avant, non? Elle est chanteuse, non? Samy Diko, il était avec Petit Pays, non? Il est devenu chanteur, non? Toi, tu viens nous parler de quoi ici? Tu veux convaincre qui? C'est des personnes qui ne réfléchissent pas, qui peuvent écouter ce que tu dis et les avaler. Ah oui? Nous, là, qui avons un peu de science infuse, là, nous, on comprend. Tu veux dire quoi à qui? Tu vas nous dire quoi? Les artistes sont montés, c'est descendu. Oh, vous faites ceci. Oh, vous les faites ceci. Oh, vous les faites cela. Eh, il faut arrêter. C'est pas tout le monde qui aime les canapés, hein, d'accord? C'est pas tout le monde, hein? Tu as compris, non? Les scopiner la position et tout ça. Les vrais artistes qui veulent faire de la prostituée, musique. Même étonnée. Je pense que vous avez vu maintenant comment ça se passe. Prostituée, même étonnée. Je vais entrer dans ce milieu. Vrai présentant, vraiment. Préparez-vous. Avec quoi? Que tu vas venir faire quoi là-bas? Tout là. Sachez que quand vous allez appeler un artiste, tu vas venir faire quoi? Posez-vous la question de est-ce qu'on ne vous enregistre pas. Ok. Posez-vous la question de est-ce que ta communication avec l'artiste que tu as. Toi, tu veux entrer dans ce milieu? Mais vu ton comportement, qui aura envie de travailler avec toi? C'est la question que moi je te pose. Donc tu vas entrer dans ce milieu seulement pour ta star à toi, pour ton artiste privé à toi, parce que personne n'aura envie de travailler avec toi. Puisque on connaît tes intentions, on sait que toi, tout ce que tu veux, c'est faire du mal. Mais c'est ça mon piment rouge d'amour. Il dit quelque chose et son contraire. On sait que toi, tu aimes ce qui... Tu ne veux rien. Je vais entrer. Pour faire quoi? Le gnasse, tout simplement pour qu'elle vienne s'entendre. Rassure-toi, son dernier parti de t'enregistrer. Maintenant, il est temps qu'on botte ton coup de pied dans la fourmière. Les artistes qui ne sont pas là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais ton pédo, parce que j'ai remarqué que ton nom chauffe beaucoup dans la musique camerounaise. Ça fait quoi? C'est une star. La prochaine fois que tu organises un concert, tu vas faire quoi? Il faut avertir. Si vous voulez vendre vos places, tu vas faire quoi? N'utilisez pas les noms des sources. Ah, laisse ça. Sinon, ça va finir au tribunal. Ah, laisse ça. Tu es sain. Vous êtes sain. Artiste raté. Artiste au-dessus de ton artiste. Artiste confirmé, Caresse Fosso. Brave femme. Posée. Éloquente. Classe. Qui ne parle pas beaucoup et qui ne s'agite pas. Il faut savoir d'abord que pour être une grande star, il faut avoir des critères. Et le charisme qui va avec. La qualité. La personnalité. Mais tu viens parler de quoi? Tu veux faire quoi là? Tu penses que tu peux rabaisser Caresse Fosso? On va te laisser. Hein? Toi, tu peux venir rabaisser Caresse Fosso, on va te laisser. Pourquoi? La prestation de Caresse Fosso, personne ne parle de ça. La mauvaise prestation de Caresse Fosso, je vais détailler toute la mauvaise prestation de Caresse Fosso. Laissez les photos là, laissez ça, c'est bien. Les photos, c'est le bruit. J'ai l'original. Et tu attends. C'est à partir du film, c'est que moi j'attendais. Ah, tu n'attends rien, dis donc. Tu ne vas rien faire. C'est maintenant. Tu ne peux rien faire. Là, on te le sortir la prestation de Caresse Fosso. Il ne vous attend pas. Vous avez honte de sortir la prestation de Caresse Fosso. Elle était minable, la voix alors terrible. Comment ça va? Pour une artiste, plus ouais, pardon, les gars, il va faire. Je veux moi rire sur vous dans vos oreilles jusqu'à. Que la voix était quoi, papa? Que la voix était quoi? Daniel, bonjour. Bonjour, ma grande. José, bonjour. Que la voix était terrible. Ha! Oh, 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 oh. Tanga, on n'entendait même pas le son de la voix, papa. Ça ne sortait même pas. Pourquoi toi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux forcément qu'on vienne parler de Tanga alors que la pauvre, c'est déjà passé? Hein, papa? C'est quoi le projet au fait? C'est quoi le projet?
Tu peux comparer la voix de Caresse Fosso. Donc, on entendait la voix de Tanga, mon père. On entendait la voix de Tanga, c'est la question que je te pose. Parce que toi, il faut souvent qu'on vienne décrypter ton direct comme ça, là, pour te dire. Toi, tu entendais la voix de Tanga. Puisque c'est elle que tu mets en avant, hein. Puisque depuis là, ce n'est que elle que tu es en train de défendre face à Caresse Fosso. Donc moi, je pars dans ton sens. J'interagis en partant dans ton sens. Oh, vraiment. World Music. Il n'y avait que le village là sur place. Amen. Je n'ai pas vu les Blancs. On s'en fout. Je n'ai pas vu les Chinois. On s'en fout. Je n'ai pas vu les Thaïlandais. On s'en fout. Ni les Jamaïcains. On s'en fout. D'accord. L'association qui a invité Tanga, il y avait les Blancs, il y avait les Jamaïcains, il y avait les Chinois, il y avait les Thaïlandais, il y avait les Indiens là-bas, il y avait quel rat, il y avait qui là-bas? Il y avait les Américains, on s'en fout. On est bien chez soi. Tu es complexé. Tu es un homme complexé de A à Z. Le complexe veut ta mort. Le stress veut ta mort. Tu es un homme complexé. Tu voulais voir quoi? Tu voulais voir quoi là-bas? J'ai dit que mon piment chou. Tu voulais voir quoi là-bas? Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. On a besoin d'eux pour évoluer. On a besoin d'eux forcément. Les pleurs du Mbolé. Un homme qui pleure comme une femme. Pleure, Nisha de haut niveau. Pleureur. Hey, vraiment. Hey. Maman, hey, Seigneur. Hey, je ne peux pas avoir un homme comme ça dans ma vie. C'est que toi et moi. Yiki, Seigneur, Yakuba, bonjour. Larissa, bonjour. Yamela. Et pas ça fait quoi? Tu as mal? Mais sois fier de ce que tu es. Mais sois fier de ce que tu es. Je suis désolée, vous allez imposer aux gens les choses. Quand je m'assois, quand je vois ma soeur Baganté, Andjigue, c'est normal. Comme quand toi, tu vois ton frère Bassa, tu lui parles Bassa. Oh, le problème, nous sommes tous un pays. Ça change quoi, au fait? Ça change quoi? Seigneur, Adama, on peut faire ça. Tu as la prestation de Caresse Fosso, minable. Je peux donner à Caresse Fosso 2 sur 10 parce qu'elle est camerounaise. Et tu donnes à Tanga combien sur 10? C'est le père. Tu avais donné combien à Tanga? Notre Tanga, puisque tu la compares à Caresse Fosso, parce que c'est là-bas où est mon problème avec toi. Notre Tanga. Tanga a combien sur 10? 0,0000. 1 million de 0,000. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas en dehors du chiffre 0. Il n'y a aucun chiffre qui suit. Tu as compris avec quoi? Donc c'est 0 sur 0. Oh. Tu as compris avec quoi? Voilà. Quand tu veux dénigrer, tu veux rabaisser, on te montre qu'on peut aussi dénigrer et rabaisser la personne que toi tu penses vouloir soulever. On n'en a rien à foutre. Et on n'a peur de personne. Mon bébé Manuela, la princesse, oh ma princesse chou, comment vas-tu? Comment vas-tu? De 2 sur 10. Seulement, c'est moins 2. Eric, nous c'est 0 moins 0. La personne de Caresse, normalement, c'est moins 2. Je comprends pourquoi ça carrière ma princesse. Niveau champion. Pima Rougechou. Tu as vu Manuela? Te salue. On a encore revu la Caresse Fosso, la quincaillerie qui chante sur TikTok. C'est la même quincaillerie qu'on a vu enseigner. Yeah, la honte. Ouh, Amek, Amek, criant sur toi. Ouh, ouh. Oh la pitié. Oh, tu fais pitié. Oh, pitié. Yes, papa. Toi-même, quand tu regardes ta direct, ta vidéo, si tu n'as pas honte. Quand tu regardes ça, tu n'as pas honte. Ouh, pitiation, ouh, j'écris sur toi. Ouh, hey, hey, maman, hey. Oh, l'entoto, oh, l'entoto, l'entoto. Tu peux rendre zinzang un homme comme ça, maman. Tu marches, tu deviens fou. Ya, yeah, mon frère, parce que tu es fou, hein. C'est la folie, hein. On peut être fou comme ça. Yeah. Tu peux rabaisser Caresse Fosso. Je ne vais pas te laisser. Eric, rien que pour Caresse Fosso, elle te lave. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas.
C'est le jour et la nuit, pardon, ne viens pas faire une comparaison, c'est le jour et la nuit. Vous pensez que c'est un jeu? Être artiste, c'est un métier. Aka. C'est un métier. Être créateur aussi, c'est un métier. Tu chantes, tu n'as pas le cardio, Karès Fosso. Mais toi-même, tu chantes, tu n'as pas le cardio. Mais Tanga, que tu soutiens, n'a pas le cardio, mon frère. Tanga, que tu soutiens, n'a pas de cardio, on l'a vu. On a vu. On a vu ce qui s'est passé. Tu veux parler de quoi? Puis va rocher. Ouais, ah, tu as veux tuer toi, hein? Ah non, toi. Toi-même, elle a que cardio. Pour remplir ta salle, obligé d'utiliser, obligé d'aller insulter une artiste. Ah, tu as mal dit, quel artiste? Regarde ce qui se passe, alors c'est ton concert, on a honte de... Quel artiste? Quel artiste? Arrête de dire n'importe quoi. Arrête de nous fatiguer les oreilles, mon frère. Arrête de nous fatiguer les oreilles. Hein? Publier ton concert. On a honte de publier ton concert, mais j'ai ton concert là. Qui parle de ton concert? Il n'y a personne. On a parlé, ça fait déjà 6 ans. Qui parle de ton concert? Personne. On en a parlé, ça fait déjà 6 ans. On a aimé. C'est ce qu'on appelle la chute. Ça a déçu tout le monde. C'est faux. Aujourd'hui, il est prêt à enseigner live. Quand tu es en live. Oshida est enseigné là. Okay. On a parlé de la prestation d'Oshida pendant un mois. Hey! Est-ce que tu vois un peu ce qui est en train de se passer dans le game? Tu parles de quel semi-live? On a parlé de sa prestation pendant un mois parce que ça n'aime. Parce que sa prestation était nulle. Les gens lui donnaient des conseils. Tu veux parler de quoi? Hey, Seigneur. C'était nul, non, mon frère? Sa prestation était nulle. Elle n'a même pas pu poser une phrase. Elle n'a même pas pu dire un mot. Toi, tu veux comparer Karès Fosso à elle. Je te dis non. Donc, toi, tu donnes la merde qu'elle a chiée là. Et que les gens sont sortis pour lui dire que ta merde était trop forte. Toi, tu trouves que ça avait une valeur. Oh, c'est pas possible. Donc toi tu trouves que sa prestation avait une valeur. Hey Adam, on peut faire ça. On peut faire ça, maman. Hey. Non mais mon frère, reviens sur terre. Mais reviens sur terre, wesh. Reviens sur terre. Hein? Tu dis qu'on a parlé pendant un mois dans le négatif, mon frère. Pendant un mois, on a parlé négativement. Parce que c'était nul. Oui. Pour une personne qui s'est préparée, qui nous a dit que je me prépare, voilà ça, qui a tout mis en avant, qui s'est vanté, qui faisait des tout cela. Mais pourquoi toi, tu viens nous dire qu'on a parlé de quoi négativement en disant que non, c'était pas bien, avec les plaintes, oh, je suis justifié, oh, les plaintes de ça, les pleurs de ça, partout. Tu viens nous parler de quoi, mon frère? Dis donc, laisse ça. Laisse ça. Karès, est-ce que tu vois ce qui se passe dans le game? Il y a zéro game. Si on est en train de parler. Il y a zéro game. Je te dis bien que ce ça là, ce n'était pas le game. C'est pas comme si elle a fait exprès. Ça n'a jamais été le game. C'est juste que ça a été nul, nul et nul. C'est tout. Zéro game. De quel game toi tu parles? Tu viens parler de quel game? Il n'y a pas eu d'arrangement. Alors, pourquoi tu viens nous raconter ta vie ici? Tu viens nous raconter ta vie de quoi? Rien qu'une prestation d'Oshida dans une soirée, même pas à Paris, même pas à Bordeaux, mais à Nantes. Mais à Nantes. Ah, Seigneur, ah, mon Dieu, pitié. De prestation quoi, papa? Dis que rien qu'une boulette. Dis que rien qu'une boulette. Parce qu'elle n'a même pas presté. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Eh, Seigneur. Elle dit qu'elle n'a rien fait. Ta Oshila n'a rien fait.
Elle n'a même pas presté. Elle n'a même pas pu mettre la voix sur ses propres chansons. Donc toi, tu veux comparer ça à Caresse Fosso. Je te dis non aujourd'hui, demain, après-demain. Une icône reste une icône. Et tu ne peux pas salir son image à l'international. Tu ne vas pas salir l'image de cette femme. Et puis on va te regarder faire. Tu mens. Il faut reconnaître que Tanga était nul. Elle n'a rien presté. Ouais. Oh. C'est quoi? Oh là là. Il faut reconnaître que Tanga a été nul. Elle n'a aucunement presté, mon frère. Tu parles de quoi? Hein? Hey! Une prestation, une prestation. Hein? Une prestation, un petit pays a presté. Petit pays a presté, c'est ça qu'on appelle presté. On a vu, ils ont chanté. Quand Lady Ponce fait un concert, presque on entend. Les gens dansent, les gens sont contents. Quand Mani Bella fait un concert, elle est invitée, on entend. Mais toi, tu viens parler de quoi? Tu viens défendre quoi? Tu veux défendre quoi? Une personne qui n'a même pas pu mettre même sa propre voix. Même en faisant semblant que le playback, le genre que tu chantes même bien, même si on dit qu'on a boycotté comme on a dit. Toi, tu es venu nous descendre une star. Les vraies stars. Oh. Merci, mon piment d'amour. Hein? Pourquoi tu mens à Oshiga? Pourquoi tu mens à cette fille? Pourquoi tu la trompes? Pourquoi tu fais endormir cette fille? Pourquoi tu l'endors? Pourquoi tu ne veux pas lui dire que ma chérie, Caresse Fosso a bien travaillé. Prends l'exemple sur elle. Pourquoi tu ne veux pas lui dire ça? Toi, tu es en train de faire genre. Tu dis que tu l'encourages à dire que hey, ceci. Oui, dans ta chambre, tu peux l'encourager. Dans votre quatre murs, pendant que tu la bouilles, tu peux l'encourager. Pour lui dire que non, chérie, ne t'inquiète pas. Voilà, ça s'est mal passé. On est d'accord. On prend les critiques. On prend ceci. Mais toi, tu ne veux pas reconnaître ça. Tu es en train de l'induire. Tu veux la pousser. Mais est-ce que tu aimes même vraiment cette fille? Tu ne la y a pas, mon frère. Tu n'aimes pas l'Angala. Tu n'aimes pas l'Angala. Tu ne l'aimes pas. C'est pas l'amour, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Dis à ce qu'il m'aime, il veut même écouter, il m'aime les oreilles. Tu vas entendre quoi? T'as rien à dire? Mais Fidel, comment tu veux m'aimer? Oui, tu n'as rien à dire? Personne ne parle de ça. On parle. Au moment où Oshiga a arrêté de prester en âme de toute la toile camerounaise, la toile ivoirienne. Elle n'a jamais presté. Elle n'a jamais presté. Je suis désolée, elle a été nulle. Mais elle était nulle, mon frère. Tu connais ce que ça veut dire faire une prestation? Tu as suivi le conseil de Apuchou? Tu as suivi le conseil des gens? C'est parce qu'elle a été nulle que les gens sont sortis pour lui dire que mon frère, c'était une honte. Elle a ridiculisé les Camerounais. Tu veux qu'on te dise la vérité? On te dit la vérité. Elle a ridiculisé les Camerounais. Elle a ridiculisé les musiciens camerounais, je te dis. Tu veux parler de quoi? De prestation? Elle n'a jamais presté. Elle n'a jamais presté, mon frère. Jamais presté. Tu parles de quoi? De toute la toile camerounaise. On s'est moqué d'elle. La plupart des gens se sont moqués d'elle. Même Leslie, que toi tu parles que les Ivoiriens. Leslie a dit que ma soeur, c'est quoi ça? Donc tu veux faire genre. Tu veux faire genre, tu veux lui donner une fausse image. Qu'elle puisse avoir confiance en elle. Et vraiment, on peut même une personne lui faire ça. Regarde même, tu n'as même pas honte. Même ton regard, ça dit tout. Tu ne l'aimes pas. Mais bien sûr, mon piment chou, c'est elle qui paye les pots cassés. Hey! On t'a insulté, les Ivoiriens l'ont chargé, l'ont lavé correctement. Et bien, tu viens dire que quand elle a presté, elle n'a jamais presté. Elle n'a même pas eu le temps de prester les micros. Oh, le micro, oh.
Et toi, Cribien, a dit qu'on boycotte. C'est toi, Cribien, qui s'est arrangé avec le Didier. Oh, les excuses de ça. Oh, c'est monté. Mais mon frère, arrête ça. Même un playback, elle pouvait faire un playback. On aurait compris. Tu appelles sa prestation. Quand on veut parler des gens qui font des prestations, tu appelles sa prestation. Ah, dis donc. Arrête. Arrête ça. Il a pris ça. Ça ne vous dit rien. Torpedo, ouvre les yeux. Hein. Reste ancré dans ta combine. Parce que j'ai l'impression que Torpedo, les artistes qui ne t'arrangent pas, ou bien tu produis seulement, ou bien tu montes seulement les artistes dont tu as leur CD. Tu as mal. Pour nous dire. Tu as mal. Si tu n'en gagnais pas à la hauteur, c'est pas de sa que t'envoies Torpedo. Moi, si je ne couvre les chiffres pas devant à personne. La hauteur, c'est ton problème. Ton nom chauffe beaucoup dans la toile. Ça veut dire que tu me dis dans l'organisation des vraies soirées ici. C'est une star. En France, tu as un bon nom. C'est une star. Et si tu as un bon nom, fais-toi respecter. C'est une star. Si tu entres dans le susongo des. Le Congo, ça n'est pas moi. Ce n'est pas à travers tes directs que tu penses que tu vas l'influencer. Tu ne vas pas l'intimider et tu ne vas pas l'obliger à Tia Tanga ou à venir travailler. Si tu veux qu'il travaille avec Tanga, tu viens autrement, tu l'interpelles, tu lui dis que bon, voilà, écoute, j'ai entendu que tu es une bonne personne, j'ai entendu que. Voilà, tu es connu dans le milieu. Ce que moi j'aimerais, c'est que donner avant, que même s'il y a une soirée, tu essaies de mettre ma. C'est comme ça qu'on fait. Tu penses que quand tu peux menacer qui? Tu as fait peur à qui, papa? À personne. Tu ne fais peur à personne. Nous sommes dans un pays. C'est ton nom qui chauffe. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On sait maintenant que quand on voit Torpedo quelque part, on part. On sait maintenant que les nouveaux artistes là, si vous voyez Torpedo, évitez. Tu veux qu'on parle de toi comme ça? Ou bien tu veux qu'on parle de toi, Torpedo, comme quelqu'un qui est clair? Comme quelqu'un qui n'entre pas dans les djoumoudjoumoudou et femmes? Au revoir, mon pire. Parce que toi, j'ai vu une photo où tu étais avec la Waka de Suisse là. Où tu étais allé avec la Waka de Suisse. Quand tu mangeais avec la Waka de Suisse, on ne t'a pas dit qu'on a insulté aussi là pour qu'on bande les pieds du conseil. Ouais, tu as mal au revoir. Seigneur, on peut pleurer comme ça. Mais laisse un peu ça, non, mon frère. Elle insulte pas aussi les gens. Elle n'insulte pas les gens sur la toile. Elle-même, elle n'insulte pas. Donc, elle est innocente. Elle est sainte. Vierge Marie. Elle n'insulte pas. Aussi, gars, n'insulte personne. C'est les gens qui viennent l'insulter. Oh, ma chancy, comment vas-tu, Véro? Donc, aussi, gars, elle est sainte. Mitoche. Elle n'a jamais insulté quelqu'un. C'est les gens qui viennent l'insulter. Il faut arrêter ça, Amé Kamé, il faut arrêter ça, hein. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Hein. Après, à regarder Tanga en face, tu lui dis c'est son vrai nom. Hein. Tu as compris avec quoi? Il faut arrêter. Hein. Voilà. Il faut arrêter. Non, mais mon père, je l'écoute parce que lui, il pense qu'il est trop... Qu'il a le monopole. C'est-à-dire que pour lui, c'est dit qu'il est le seul garçon sur la toile camerounaise qui peut allumer sa caméra et parler comme il a envie de parler. D'après lui, c'est dit qu'il est très suivi et très écouté. Et il peut se permettre de tout dire aux gens. Il peut se mettre de salir l'image d'une icône. Il peut se mettre de salir qui il veut et personne ne doit. On ne doit pas renchérir parce qu'il est qui? Il apporte quoi? Il fait quoi? Hein? Hein? Un pleurnichard. Moi, je ne peux pas sortir avec un homme qui pleure comme ça. C'est un pleurnichard, mon frère. Tu es un pleurnichard. Un homme qui est toujours en train de pleurer. Tu pleures, point oui, point non, tu pleures. Mais mon frère, un homme doit avoir du charisme. Tu n'es pas charismatique, Amé. Tu n'as pas du charisme, Amé, je te dis ça. Tu n'as pas du charisme. Tu essaies de te voiler la face. Tu essaies de vouloir faire croire aux gens que tu étais un homme charismatique. Tu n'as rien. Je t'ai observé, mais quand je te regarde, là, quand je suis, je dis souvent que mais celui-ci, vrai, c'est... Tu n'as aucun charisme. Les hommes charismatiques ne pleurent pas. Ils prouvent. Ou on l'attend là, il n'est pas là. Il te montre que ici, là, je vous tape en faisant autrement. Mais arrête de pleurer. Montre-nous de quoi tu es capable. Oui.
Montre-nous de quoi tu es capable. Tu pleures. Tu pleures pour Inga, mon frère. Tu pleures même plus que Inga. Hey! 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 Non, le tout sinon. On t'a pas dit ça. On est là. Si c'est ce genre de personne que tu es dans la culture camerounaise, tu vas vite chuter. Ah, laisse ça. Il est là depuis longtemps. Il va chuter de quoi? Pas il va chuter pourquoi? Il y a les Chinois par qui sont dans l'organisation. Il y a les Français dans l'organisation. Okay. Il y a les Américains. Hey, arrête tes histoires, arrête tes conneries que tu es en train de raconter là. Arrête ça, arrête ça. Nous avons fait les salons, nous avons géré les salons, nous avons géré les concerts des Whites, mon frère. Il faut comprendre, tu parles de quoi? Nous avons assisté comment ils gèrent leurs choses. À chacun son truc. À chacun son truc. Tu as vu un Chinois en train d'aller faire les trucs des Américains? C'est trop rare. Tu as vu un Américain aller organiser la chose d'un Indien? Arrête ça, mon frère. Tu veux faire quoi là? Tu crois que tu parles trop? Que tu connais trop? Dis donc, il faut te calmer. Et calme-toi. Tu n'as pas affaire aux analphabètes. Tu n'as pas affaire aux gens qui sont pas là à l'école. Tu n'as pas affaire aux gens qui même si parfois j'ai pas été resté sous le mangue parce qu'on ne voulait pas interdire en classe. Mais mon frère, j'ai un cerveau. Hein. Tu parles de quoi? Tu n'as pas honte. Tu viens te mettre à mon jour et tu racontes des conneries aux gens. Et tu veux qu'on gobe ça? Si tu veux avoir un bon nom, c'est les complexes qui pensent que ton pédo, c'est le terminus. Il est, pour l'instant, oui. Non, ben, ouverture, ou va. Mambo, il est. Donc, lave ton nom. Lave ton nom en faisant quoi? Lave ton nom. Il lave son nom en faisant quoi? Quand tu t'affiches avec certaines personnes, sachant qu'elles ont les mains trempées. Il doit s'afficher, oh. Et ça ne chauffe pas et tu ne peux rien faire. Tu montes, tu descends, tu ne peux rien faire. Que tu le veux ou pas, tu ne peux rien faire. À lui là, tu ne peux rien faire. Il avait la baronne de Suisse aujourd'hui. Demain, après demain, ça te fait trop mal. Là, tu sautes, tu t'as l'anglais. Mm-hmm. Et ça ne chauffe pas. Rien que pour le conseil, cela. Il dit non. Il faut savoir comment tu fais ta communication. Quelle communication? Toi, tu vas lui apprendre le métier. Je n'ai pas le conseil à te donner. Oh. Mais je te dis seulement. Non, tu ne... Non. Et ce que tu non, fais, semblant de ne pas voir, non, c'est que tu vois. Oh, laisse ça. Moi, particulièrement, ma mère, quand elle est tombée, je sais que tu vois. Non, c'est que tu veux qu'il s'intéresse à toi, au fait. D'accord? Tu voudrais qu'il s'intéresse à toi. Parce que toi, tu as cherché à connaître qui est-ce qu'il est. Mais lui, il s'en fout. Bibiche blonde, bonjour, ma princesse. Il s'en fout de te connaître. Il s'en fout. Mais tu veux attirer son attention. Tu veux qu'on aille lui dire que mais hier, c'est un gars là sur la toile qui s'appelle Amek Amek qui a fait un direct, il t'a prononcé. Tu n'arrêtes pas de le prononcer. Tu le prononces pourquoi? Mais tu le prononces pourquoi? Tu le prononces pourquoi? T'es pas utile à sa vie. Tu veux qu'on parle, qu'il parle de toi. Tu veux qu'il s'intéresse à toi. Et tu ne lui donnes pas des conseils. Ouais, Seigneur. Tu vois, Lilé, vous allez pleurer plus que ça les pleure. Et ça les pleure du boulet. Car elle se sent fait quand on pleure. Elle les pleure du boulet. Oh. Elle a quand même chanté. On a écouté le son de sa voix. Oh. Sa voix sortait. Oh. Sa voix est sortie. Oh. La prochaine fois, nous, on ne va pas tolérer ça. Ah, car laisse ça. Tu peux faire quoi, qui? La prochaine fois, on ne va pas tolérer ça. Les artistes là ont beaucoup de respect pour toi. Bibi, je vois. Ouais, Seigneur. Tiens, t'en. Bibiche blonde, ce que tu fais là? À toi d'imposer ce respect-là. Ah, laisse ça, dis donc, tu veux qu'il te cherche, tu veux qu'il... Car les personnes ne peuvent pas monter. Ah, la baronne de Suisse, elle est insultée aussi pour vendre ses tickets. Ah, bah, arrête ça, dis donc, arrête ça, elle n'est pas le centre du monde, dis donc. Arrête ça. Elle n'est pas le centre du monde, dis donc. Arrête ça, dis donc. Arrête, dis donc. Tu fais même qu'on on va même l'insulter pour... Arrête ça, elle n'est pas le centre du monde. Mon frère,
Dis à Tanga de travailler dur. Elle va avoir le résultat du fruit de son travail. Voilà. Elle n'est pas le centre du monde. Elle insulte les gens propres matin, midi, soir. Et qui vient pleurer ici? Pourquoi tu pleures? Moi, t'es pas un homme, hein? Franchement. Toi, tu penses que moi, on peut m'insulter sur la table? Mon gars va venir pleurer. Il va dire que, mais attends. Ah, ben ça, il ne va même pas calculer, wesh. Il s'en fout. Tu pleures quoi depuis qu'on a insulté pour vendre les tickets? Donc, c'est elle qui était quoi? Elle a porté quoi? Hey, Jesus Christ. Là, quand il faut son bleu numéro d'Oshida dans son téléphone. Maintenant, quand il faut vendre les pieds de son conseil, c'est là maintenant on va penser à Oshida. On va se mettre à insulter Oshida. Chaque fois qu'on insulte Oshida, on met les ventes en bas. Chaque fois qu'on insulte Oshida, on met les ventes en bas. Vous n'avez même pas honte, minable. Vous allez dire que quoi? Mais c'est pour toi-même. On peut te retourner ta même phrase. On peut te retrouver ton même mot, minable aussi. Parce que, voilà, toi-même, tu n'as pas honte en tant qu'homme de venir te mettre là et de vouloir toujours rabaisser les femmes, de vouloir toujours insulter les femmes, de vouloir toujours faire passer les femmes comme si elles étaient des moins que rien. Pourtant, toi, tu es là. Tu es dans les fesses d'une femme. Tu penses que nous, on a peur de te dire ça? Hein? On n'a pas peur de te le dire. Si les gens ne parlent pas, c'est pas parce qu'ils ont peur. Tu prouves quoi? Tu apportes quoi? Tu démontres quoi? Mettez les cœurs, partagez le direct, mes bébés, s'il vous plaît. Tu fais quoi? Coucou, ma faux-fleur, bonsoir. Tu fais quoi? C'est toi-même qui es minable. Tu veux faire comme si tu peux parler aux gens. À un moment donné, il faut te revoir un peu. Hein? Regarde-toi dans une glace, hein, en vrai. Regarde-toi un peu dans la glace. Tu penses que tu vas apporter quoi? Tu peux museler les gens? Tu penses que tu vas obliger des gens à marcher comme on veut? À supporter Tanga? Ou à vouloir être avec Tanga? Ou parce que elle chante et que des gens sont obligés de... Non! Non! Si aujourd'hui les gens sont partis soutenir Caresse Fosso, c'est parce que des gens ont reconnu son potentiel. Voilà! On est sorti, c'est dit à Tanga que arrête de clasher les gens, arrête d'insulter, ça ne rime pas avec la musique. Toi, au lieu de lui dire ça, au lieu de l'enlever dans ça, au lieu de lui dire que non, arrête de clasher, arrête d'insulter les gens. Toi, tu veux faire croire que ce sont les gens qui l'insultent pour vendre les billets de Caresse Fosso, qu'elle est qui, yibiwou, elle a quoi, en vrai? Hein? C'est toi qui fais une insulte l'angala, mon frère. Tu traites des gens de minables, mais toi-même, tu es le premier. Tu es même le premier. Parce que tu n'as pas de personnalité. Tu n'as même pas de valeur. Il y a des choses que les hommes ne se mettent pas comme ça. Ils font. Tu penses que tu vas impressionner qui? Tu fais peur à qui? Moi, même en face de moi, tu ne me fais pas peur. Je suis face à toi. Tu ne peux même pas me faire trembler. C'est la vérité. Mais il faut arrêter à un moment donné. Arrête. Hein? Alors vous allez dire que quoi? Dites-moi un peu, je comprends pas. Vous allez dire que quoi? On va dire quoi de quoi? Vous allez dire que Oshida, c'est une clasheuse? C'est une clasheuse, non? C'est bizarre. Elle est clasheuse. Entre ces artistes qui sont entourés des clasheuses de Ouata, des lettres. Oui, ça te fait mal. Va là-bas. C'est une clasheuse, mon père. C'est une clasheuse. Sors, j'ai dit que c'est une clasheuse. On va dire ça, Oha. Est-ce que ça manque? Que les preuves ne sont pas là. Il n'y a pas de preuves où elle clash. Il n'y a pas de preuves où elle lave les gens. Tu crois que ça, tu crois que si elle fait quelque chose, on va pas lui dire. Mais elle clash. C'est une clasheuse. Voilà. On dit quoi le salon? Non, aussi, là, c'est une clasheuse parce qu'elle se défend. Elle ne se défend pas, hein. Elle insulte. Et les artistes, alors qu'ils marchent, arrête de dire qu'elle se défend. Arrête de dire qu'elle se défend parce qu'elle me lave. Vous
voulez vous aimer ça. Oh non, je ne fais rien. Moi, je viens, c'est qu'on m'attaque. Oui, je me défends. Arrêtez de pleurnicher, mon frère. Une clasheuse restera une clasheuse. Elle clash. Elle se défend par rapport à qui et par rapport à quoi? Elle ne peut pas prendre de la hauteur aussi. Et prendre de la hauteur et dire que non, même s'il y a quoi, j'accepte les critiques. Elle se défend. Tu vas lui trouver des excuses. En tout cas, le contraire m'aurait étonné. Hein. Ah oui. Ah oui. Vous faites quoi de ça? C'est bizarre. Vous avez remarqué quelque chose? On a remarqué quoi? Voilà où qu'on fait le carré fosso. Parle. On a vu les Dupons. On a vu Amout. On a vu. Moulou, on a vu. Cite les noms. Tous ces gens. Non, pourquoi tu n'incites pas les noms? Il fallait citer les noms. Il n'y avait que les clasheuses et les clasheuses là-bas. N'importe quoi. Je n'ai pas vu quelqu'un. La honte du quartier. Pourquoi toi tu n'es pas allé en tant qu'homme? Pourquoi en tant qu'homme qui a le pan, qui porte la culotte? Parce que si tu portes la, pourquoi tu n'es pas allé? Pourquoi tu es resté derrière observer? Parce que tu n'as pas le cran, tu n'as pas le courage. Tu n'as pas de personnalité. Il fallait partir. Il fallait aller représenter ta communauté Tangano, mon frère. Pourquoi tu n'es pas parti? On a vu. Oh, au moins, s'ils ont fait le déplacement pour aller soutenir une artiste. Ils ne se sont pas cachés. Ils ne sont pas restés derrière leur écran. Ils sont partis supporter une Camerounaise, une artiste. Toi, tu as fait quoi, toi? Qu'est-ce que toi, tu as fait pendant ce temps? Tu as fait quoi? Pour venir allumer ta caméra, pour oser parler. Tu parles tout. Tu parles au qui? Tu parles de quoi? Hein? Quand ça va te rapporter des vues, de ceci, tu vas allumer ta caméra parce que, bon, voilà, derrière ça, tu auras des vues, tu vas te faire de l'argent, c'est tout. Toi, tu es là pour ton truc. Bonjour Vanessa, bonjour ma grande, bonne semaine à toi. Tu parles de quoi? Et donc, que non, c'est dans les clashs, tous ceux qui étaient là, c'était des clashers au pays. Comme toi. C'est bizarre. Clasher plus que toi, il n'y en a pas. La marche entre vous avez aujourd'hui, je pense que c'est ce qui vous fait un peu mal. C'est qu'au chica, je réponds non. Elle veut répondre à quelqu'un, elle vise directement. Attends. Parce que comme le langage artistique camerounais est rempli d'hypocrisie. Mais attends un peu, Amé. Donc toi, tu penses qu'elle est la seule, tous les Camerounais ont la bouche. Il n'y a aucun Camerounais qui est né sans avoir la bouche. Tous les Camerounais ont la bouche. C'est pas une histoire de répondant. C'est que parfois, certaines personnes préfèrent ignorer, snobber. Tu comprends ce que je veux dire? Coucou, tata Antoinette, bonjour. Certaines personnes préfèrent snobber. Certaines personnes n'ont pas envie de donner du temps, d'accorder de l'importance à certaines choses. Tu penses qu'elle peut laver des gens plus que qui? Elle peut insulter plus que qui? Regarde comment toi tu parles d'une personne dont toi tu as envie qu'on valorise demain. Au devant de la scène. Après c'est toi qui vas venir, tu viens, tu pleures. Et tu veux que demain quand tu vas faire un truc, que les gens se lèvent pour aller. Mais attends, est-ce que tu es normal mon père? Non mais sérieux, tu t'entends parler? Donc, pour toi, là, tu penses qu'elle a du répondant plus que tout le monde. Oh, vraiment. Eh, Seigneur. Tu n'as pas fait hypocrite. Nous voulons décharger ta ressource depuis longtemps. Mais pourquoi ne disent pas que non, ça vaut le conseil? Il fallait le faire. Je pense que mon message est passé. Il fallait le faire. Je te dis que mon frère, il fallait le faire parce que ça ne devait rien changer à ce que sa salle puisse être pleine. Malheureusement, vous ne connaissez pas les rouages de tout ça. Plus on dénigre, plus ça incite les gens à aller. Il fallait le faire. Tu crois que tes abonnés là, ce sont eux qui devaient remplir sa salle? Tu crois que tes abonnés, c'est eux qui allaient remplir sa salle? Tu n'es pas parti. Et ça a changé quoi? Vous aimez entendre? Il fallait saboter son concert. Il fallait le faire, mon frère. Tu allais voir que tu n'es rien, que ta voix ne porte en rien du tout.
Tu as été lâche de ne pas saboter son concert. Il fallait le faire. Et là, tu devais avoir la réponse, tu devais avoir une belle claque. Ce que tu es en train de faire là, c'est du voum voum zela, c'est du vrac. Parce que tu as attendu que le concert passe pour venir dire que j'aurais envie, hein, je ne voulais pas. Tu n'es rien. Tu ne pouvais rien. Tu ne pouvais pas empêcher cet événement d'avoir lieu et d'avoir l'ampleur que ça a eu. De toucher les Camerounais et d'empêcher les gens d'y aller. Rien du tout. Ta voix là, ça porte dans ta tête. C'est pour toi là-bas. C'est pour toi là-bas. Et je parie même que parmi tes abonnés, il y a au moins beaucoup qui sont partis. Donc reste tranquille. Donc tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Si tu étais un homme avec les couilles, il fallait saboter son concert. Même 3 jours avant, tu sabotes, on voit que la salle est vide. Là, on va dire que Amer Kamer a quelque chose. On va dire que Amer Kamer est capable de saboter les choses des gens. Il fallait le faire pour prouver au peuple camerounais que quand tu parles, les gens t'écoutent. Mais mon frère, personne ne t'écoute. Tu parles, ça reste pour toi. Tu parles dans ta bouche, ça reste là où tu es. Et dans ton périmètre, c'est tout. Tu n'es rien. Tu ne fais pas à personne. Et tu ne peux pas intimider quelqu'un. Et tu ne peux pas imposer au chiga aux gens. Tu ne peux pas imposer aux gens d'être avec. C'est son travail et sa façon d'être qui fera que les gens puissent être avec elle. Donc tout ce que tu fais là, c'est du n'importe quoi. Il fallait faire ça avant, Amer Kamer, si tu étais un homme. Il fallait faire ça si tu étais un homme. Gueux machin, gueux ceci. Pleure quoi? Pleure Nisha. J'attends encore tes excuses. Pleure Nisha, excuse mon œil. Si tu ne fais pas les excuses, je me charge de toi personnellement. Excuse mon œil. Tu as compris qu'à l'aise au sommet. Que tu t'excuses? Par rapport à quoi? Toi, tu es qui? Tu es qui, Amer Kamer? Tu es qui? Dans les réseaux sociaux. Tu es qui? On attend ton poste d'excuses par rapport aux insultes. Ferme ta bouche, Amer Kamer. Moi, mais t'insultes parce que toi, tu me fais chier, Amer Kamer. T'es rien du tout. Tu as compris avec quoi? Toutes les personnes que toi, tu as insultées sur la toile. Que toi, tu as passé ton temps à les dénigrer, à les rabaisser. Tu as demandé pardon? Tu as demandé pardon? Hein? Tu attends quel poste? C'est toi qui oses demander à Karel Fosse de demander pardon à qui? À qui? Non, pardon, laisse ça. Laissez arrêter vos phrases que vous venez souvent écrire dans les trucs des gens. Maman, si tu es là parce que toi tu penses que c'est un être humain, arrêtez de dire qu'on donne de l'importance. C'est un être humain, on a le droit de lui donner de l'importance. Arrêtez ça, même le fou, on considère le fou. Donc arrêtez de dire qu'on ne doit pas donner l'importance aux gens. Laissez ça. Tu es qui? Je dis que tu es qui? Pour venir dicter à Karel Fosse ce qu'elle doit faire, je vais demander les excuses. À qui au fait? Qui est en face d'elle? Il y a qui en face de Karel Fosse? Il y a qui en face de Karel Fosse? On doit décrypter ces trucs. On doit défabriquer ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il pense qu'il a le monopole de la parole, ma chère. Sois béni. Arrêtez de faire comme si c'est pas un être humain. C'est un être humain. C'est un homme qui est venu se placer, qui parle. C'est lui, ça, l'habitude de toujours venir dire aux gens que non, ne le considérez pas. Non, il faut arrêter de faire ça. Nous sommes tous des êtres humains sur la toile. Ce n'est pas des animaux qui se mettent en live pour parler. C'est des hommes, c'est des femmes. On a le droit de venir dire ce qui ne va pas. Tu es qui? 20 minutes, bonsoir, ma grande. Tu es qui, mon frère? T'es rien, Amer Kamer. Tu ne peux rien faire à quelqu'un. Dis que même en face, tu ne peux rien faire, Amer Kamer, même en tant qu'homme.
Oh, ah. C'était qu'elle lui demandait que Caresse Fosso vienne demander pardon. Elle demande pardon à qui? Elle demande pardon à quelqu'un qui ne sait pas chanter. La personne n'a pas son charisme, la personne n'a pas son niveau. Tu as compris ce que je te dis? Tangala n'a pas le niveau de Caresse Fosso. Tu vas pleurer toute ta vie. Elle avait eu l'occasion parce qu'on essaie de négocier. Tu vas pleurer toute ta vie. Tu as mal où? Tu as mal où? Tu t'agites dans les réseaux sociaux. Tu t'agites comme si toi tu te donnes de la valeur. Tu n'es rien, mon frère. Tu n'es rien, tu n'impressionnes personne. Tu n'impressionnes personne. Tu n'apportes rien à personne. Tu penses que tu peux convaincre? Je t'ai dit que, ouais, tu es lâche. Amen, tu es le gars le plus lâche de la toile. Tu es le blogueur le plus lâche que la toile camerounaise ait connu. Tu es lâche aujourd'hui, lâche demain, lâche après-demain. Si tu étais un vrai homme, Amen Kamer, si tu étais un homme, tu allais toi te lever, je te dis ça. Ouah. Même 2 jours avant le concert, même 4 heures de temps avant le concert, allumer ta caméra, comme tu dis que depuis tu voulais parler, tu n'as pas parlé parce que ta soi-disant gars avec qui toi tu es là t'empêchait. C'est-à-dire que si tu étais un homme, ça veut dire que tu ne portes même pas d'abord la culotte. Donc c'est elle qui décide dans la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Donc toi tu es la femme. Hey! Hey! La femme de Kiwambo, maman! Oh. Tu n'es rien. Amen, tu m'as énervé, tu as réussi à faire que je m'assois sur toi. Tu n'es rien. Tu n'es pas un homme. Tu es une femmelette. Tu es une femmelette. Il fallait nous prouver que tu étais quelqu'un. Tu prenais ta caméra. À moins 3 jours du concert, comme tu dis, tu allumais ta caméra. Tu dis que, hé, hey, je suis Amen Kamer, peuple camerounais. Je ne voudrais pas que vous allez au concert de Caresse Fosso. Je ne voudrais pas que vous allez là-bas. Parce que Caresse Fosso est comme ça. Tu dénonces. Mais, comme toi-même, dans ton âme et conscience, tu sais qu'il n'y a aucun Camerounais qui te suit. Tu sais qu'il n'y a personne qui est capable de te suivre dans ta bêtise. Oh oui. Tu ne pouvais pas le faire avant. Tu crois que tu peux manipuler les gens? Tu penses que toi, tu vas venir jouer un peu jazz avec des mots? Tu n'es rien. Tu ne peux rien arrêter sur la toile, Amen Kamer. Je te mets au défi, Amen Kamer. Prends ta caméra, prends un événement, tu t'assois, tu dis que moi, Amen Kamer, voilà un événement qui arrive. Je décide que je ne veux pas que le peuple camerounais aille soutenir tel musicien qui doit prester. Amen Kamer, tu auras la honte de ta vie. Tu es nul, tu es un lâche. Tu as compris avec quoi? Tu es trop lâche, tu es un homme faible. Tu es faible, hein? Tu es faible. Hey! Regardez-moi quelqu'un, mon frère. Mais c'est quoi lui tout permis chaque jour? Moi, le jour, il allume sa caméra. Il dénigre ses soeurs. Il insulte les gens. Il pense qu'il a le monopole. Mais tu te prends pour qui, papa? T'es rien du tout. You are nothing. Nothing today, nothing tomorrow, nothing forever. You are nothing. Do you understand me? Regardez-moi, pleurnichard. Monsieur le pleurnichard de la République, c'est ton nouveau nom, pleurnichard de la République. Pleurnichard du peuple camerounais, tu es le pleurnichard de la République. Pleurnichard Pro Max. Coach, l'a subi pour ton conseil. Elle a subi, voilà. Et si on voit même que tu ne fais pas une. Ça veut dire que tu ne fais pas ce qui s'est passé. Même s'il faut aller en justice, le temps que ça va prendre, même pour te nuire. Ah, vas-y. Ah, va là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Sainte-Marie. Donc, attends que tu t'excuses. C'est Sainte-Marie, tu attends. C'est une obligation. Et qui est? Carrément, tu sommes. Tu as l'appelé au téléphone, tu vas t'excuser. Tu sommes. Oui, bébé, la baisse. Je vous ai dit, j'entre dans le mur. Ah, caresse, tranquille. Tu montres qu'on a créé le manque de respect. D'accord.
Mon frère, depuis que tu bavardes là, tu bavardes tous les jours. Tu dis que le manque de respect est monté. Toi, tu passes ton temps à manquer de respect aux gens. Et tu penses que toi, tu es qui qu'on ne peut pas te manquer de respect? C'est la question que moi, je te pose. Tous les Camerounais sont nés avec la bouche. Dieu nous a donné la bouche. C'est qu'il y a certains qui font le choix de ne pas vouloir insulter, de ne pas vouloir faire comme toi. Mais mon frère, sinon, la bouche est née chez nous. Ça grandit chez nous et on vieillit avec. Et tu ne vas rien faire à personne. C'est une obligation. Toi, tu peux obliger quelqu'un. Toi, quand tu te regardes debout, là, tu peux obliger quelqu'un à faire quelque chose. Tu n'arrives même pas d'abord à contrôler ton gars qui est dans ta, avec toi. Tu peux obliger quelqu'un. Contrôle d'abord la personne qui est à côté de toi. Et toi, ferme ta bouche souvent. Hein. Parce que toi, tu commences à bien faire. Ah, Jesus Christ. Regardez-moi quelqu'un. Ah! Oh, 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 oh. Oh, chaque jour qu'on danse, se réveille, oh. Que je t'oblige. Que c'est une obligation. Tu peux obliger qui? Je te montre qu'on a créé le manque de respect chez moi. Ah, moufle ça! Demande aux gens, peut-être qu'avec vous aussi, mais non pas bien. Demande aux autres. On ne peut pas demander aux autres parce que tu n'es rien à mettre à mettre. C'est pas parce que les gens ne parlent pas. Le manque de respect, là, tous les Camerounais savent manquer de respect. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Tous les Camerounais savent manquer de respect. Tu ne peux rien apporter à quelqu'un. Tu ne peux rien enseigner à quelqu'un. Le manque de respect là est né chez nous. Oh, demande aux autres. Les autres, ce sont les qui? Que qui a peur de toi sur la toile, Amékamé? Tu fais peur à qui? En vrai. Parce que la seule chose que vous allez faire, c'est peut-être signaler les pages des gens pour construire les pages des gens ou quoi que ce soit. D'autres, ça y a quoi d'autre? Jugo le pro, bonjour. Il y a quoi d'autre? Il n'y a rien. Tu ouvres trop ta bouche, tu fais trop ta page. Respecte-toi un peu, mon frère. Respecte-toi un peu. Tu es nuisible. C'est-à-dire, à un moment donné, on a besoin de t'effacer. Tu connais le film L'Effaceur? L'Effaceur? Tu es nuisible. Non, je suis. Parle-nous de tout ce que toi tu as déjà vécu et de tout le mal aussi que toi tu as fait aux gens. Tu veux parler de quoi? Tu as même pas d'argent. Tout ton consent enregistré dans mon téléphone. Tout ton consent. Et ça fait quoi? Et ça fait quoi? C'était fait pour t'enregistrer. Qui filmait directement. Regardez-moi ça. Et ça fait quoi? Tu es avec quelqu'un. Tu n'as même pas un gros lâche que tu es. Tu es un gros lâche aujourd'hui, demain et après-demain. Tu n'as même pas honte de dire que j'avais quelqu'un qui filmait ça. Tu ne pouvais pas aller là-bas filmer toi-même. Tu ne pouvais pas aller là-bas filmer. Tu n'as pas dit que toi tu es Camerounais. Tu ne dis pas que tu revendiques les choses des Camerounais. Tu ne pouvais pas toi-même aller là-bas filmer pour dire que c'est moi le Amer Camer. Moi-même, je viens sur le terrain. Un lâche. Lâche aujourd'hui, lâche demain, lâche après-demain. Femmelette que tu sois. Oui. Tu es une femmelette. Je te dis ça, Roi. Et tout le conseil, Nous, on a vu ta part. On a aussi vu, hein. On a aussi vu ici, hein. Ça avait aussi été filmé, ça a été publié sur Facebook, hein. On a vu. Tu penses que tu peux intimider les gens? Hein? Tu vas intimider qui? Donc, ne tente même pas toi. Partagez le live, s'il vous plaît, mes amis. Donc, je sais de mettez quoi les cœurs. Tu vas présenter tes excuses à Oshida parce qu'on a insulté. Ah, wow. Et tu n'as rien fait. Eh, qui est? Eh, qui est? On peut avoir mal comme ça. Eh, tu as insulté. Oh, tu n'as rien fait. Parce que tu es maigre. Oh, on a insulté. Oh, on a insulté. On a insulté. Je pleure. Oh, la plaie du mollo. On a insulté. Oh, tu n'as rien fait. Oui. Je pleure. Oh, maman. Maman, s'il te plaît. On a insulté ma soeur. Oh, oui. Oh, maman. On a insulté ma femme. On a insulté. Oh, je pleure. Oh, je pleure. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, le vieux père Slaya. Tu n'as pas honte, le père. Laisse-nous vivre un peu. Laisse-nous respirer un peu. Pourquoi on a même envie de t'oublier? Tu veux toujours faire qu'on parle. Hein? Hein? Hey!
Comme ça. On a insulté. Ouais, il faut. Ouais, les hypocrites ont insulté ma. Ouais, les hypocrites. Ouais, les hypocrites ont insulté mon gars. Je pleure, mais là, me pleure. Ouais, maman. Papa, tu es où? Je vais me défendre. J'ai confiance, mon piment rouge chou. Yeah! Yeah! On peut taper la femme de quelqu'un comme ça. Hey, Adam, oh, la lame pleure. La lame de Ameka me pleure. On a incité sa femme. On a incité, il pleure. Il a dit qu'il était King Kong de la toile. Oh, le King Kong est tombé. Oh, King Kong est tombé sur nous maintenant. Oh, Karen Fosso, tu as fait faux. Il était dans les mains. Ouais. Les plats de sang. Doucement comme ça. Oh, les pleurs de ça, oh. Ah, mouf. Va là-bas. Tu ne sais rien. Et si tu ne fais rien, je monte sur toi comme une nationale. Renseigne-toi bien. Ah, mon état, ton conseil, non. Demande à... Tu montes sur elle que qui peut que... Toi d'abord, celle qui est à côté de toi, tu arrives à gérer. Dis donc, tu peux monter sur qui? Tu parles de... Amot, Amot, Amot. Tu vaux Amot. Tu vaux, monsieur Amot, tu vaux Amot. Tu vois pas que Amot et toi, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas de débat. Donc, toi, tu penses qu'entre toi et Amot, il y a un débat. Quand Kamé se commande dans la bouche, on va te dire. Demande à Amot, Kamé se commande dans la bouche. Moi, je sais que je suis un canet, t'inquiète. Si tu n'as pas envie que je tombe sur toi, Karès Fosso, je te dis, tu as une semaine. Une semaine pour faire quoi? Tu as une semaine, Karès Fosso, pour présenter tes excuses. Tu as une semaine, Amé Kamé, pour faire le deuil. Tu as compris ce que je te dis, non? Tu vas pleurer pendant une semaine. Parce que pendant la une semaine, là, tu vas parler de ça chaque jour. Chaque jour, tu vas venir dire que... Karen Fosso, à cause de ton désuté. À cause de ton désuté aussi. Karen Fosso, à cause de toi. Elle a pris balle. Pendant une semaine, et tu vas attendre longtemps comme j'ai essuyé tes larmes. Hey, Seigneur, on peut pleurer comme ça demain. Je croyais que tu étais un homme avec le cœur dur. Donc tu as cœur de poulet. Donc ton cœur là même, même le poulet parfois, même parfois, quand on cuit le poulet même, on peut faire que la chair soit encore un peu. Donc on a un peu du mal. Hey, vraiment. Hey, mon frère. Carrément. Donc quand toi tu te regardes là, tu peux garant quelqu'un. Tu peux garant quelqu'un. Tu peux venir avertir à une personne, la personne va t'écouter. Oh! Oh, 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 Facebook. Parce que le manque de respect là, c'est fini.
Et tu ne présentes pas tes excuses à Oshiga par rapport au fait qu'on insulte Oshiga pour vendre tes places de concert. Reste tranquille. Elle m'a insulté les gens. Ça, je te dis. Ah bon? Bonjour, c'est la moitié, mon couloir. Allez ça. Allez ça. Je vais sortir ça tous les jours. Et puis, je vais te traquer sur TikTok. Sur... Je vais te traquer partout. Mais c'est ça, c'est ce que je te dis. Tu vas travailler pour être sans salaire. Mais ton salaire là, ton salaire à toi sera le fait que tu vas mettre ton énergie et tout ton temps pour pouvoir la traquer. Oui, elle va te donner du travail. Parce que c'est ce que toi tu mérites. Tu mérites de manger grâce à son nom. En la traquant, tu auras quelque chose. Mais elle ne va jamais venir demander. Elle demande pardon par rapport à qui a qui en face d'elle. Mon frère. Vous regardez même les gens. Quand tu te regardes même dans le miroir, tu regardes même la personne, tu es fou. Are you crazy? Are you mad? Are you crazy? Hey! Oh, 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 oh! Bisous! Pour te montrer ce que je suis là, celui-là, il te fait la même chose. Imagine-toi. Tu ne peux rien faire. Dans tous les cas, tu... laisse maman. Ne fais pas. Tu ne peux rien faire. Quand tu ne vas pas présenter tes excuses à Oshiga parce que tu penses que tu es en haut là-bas. Elle est en haut, Roha. Tu manques de respect dans les réseaux sociaux. Elle est en haut. Les blogueurs les plus irrespectueux. Elle est en haut. Mais si tu n'as pas vu que toi et moi se croisent dans les réseaux sociaux, tu vas présenter tes excuses. Elle est en haut aujourd'hui, demain et après-demain. Elle est en haut chaque jour que Dieu fait. Elle est en haut, elle est au-dessus de ta Oshiga propre. Elle est au-dessus d'elle, Roha. Il n'y a même pas match, il n'y a même pas débat, il n'y a rien, elle est en haut. Et... Ouais, mon frère, tu as mal où? Pourquoi toi tu souffres du succès des gens? Pourquoi tu souffres de voir les gens réussir? Elle est en haut jusqu'à... C'est tout ce que j'ai à te dire. Donc pour toi, Kadesh Soso, ton affaire c'est fini. Okay. Si tu as pas vu que tu détais la hache de guerre sur toi, tu vas présenter les excuses. Je ne vais pas dire comme vous, tu vas la payer au téléphone. Ok, pourquoi? Parce qu'elle est qui qu'on appelle au téléphone? Parce qu'elle est qui? Tu vas aller, après tu vas peut-être faire une sortie ici pour nous mentir. Que Kadesh Soso a appelé pour t'excuser. On a des... N'importe quoi. Quand elle insulte les gens là, tu ne vois pas. Elle a déjà appelé qui? Est-ce qu'elle a insulté sur la toile ici pour présenter ses excuses au téléphone à la personne? Hein? Elle a déjà appelé qui? Tu penses qu'on a peur? Tu penses que Kadesh Soso peut avoir à se rabaisser à ce niveau-là? Hein? Tu veux détruire ce qui est bien, on ne va pas te permettre de détruire ce qui est bien. Le jour et la nuit ne se croisent pas. Le jour cède la place à la nuit. Et je pense qu'actuellement, c'est Kadesh Soso qui est le jour et la nuit, c'est Taoshi. Hoha, et ça ne chauffe pas. Tu as compris avec quoi? Voilà. Tu nous fous la paix. Tu nous excuses. On a mieux à faire. Tu pleures comme une femme. Même mon fils qui a mes enfants. Il y a Bambi. Il dit que les pleurs là, c'est pour les enfants de maternelle. Hé, Seigneur. Tu sais quel homme ça, non, mon frère? Par rapport au fait qu'on insulte Oshiga pour vendre des choses. Elle insulte les gens tous les jours, dis donc. Il paraît qu'on met des annonces dans la page. Ah, dis là-bas. Il paraît qu'on mette des annonces de conseil sur la page d'amour, sur la page de tous les blogueurs qui étaient là-bas. On n'a pas fait ça, hein. Mais c'est sur le nom de Oshiga qu'on s'est assis pour vendre des pages de conseil. Arrête ça. Arrête ça. Si tu ne fais pas ça. Tu vas faire quoi? Tu ne vas rien faire. Tu ne vas. Mais oui, c'est normal, tu as le temps. Je dévore les ennemis. Tu ne dévores rien du tout. Tu n'as pas le temps. Tu cherches ton argent. Ton problème, c'est que tu cherches ton argent. Oui, tu as le temps pour faire tes directs, pour chercher ton argent. Ce n'est pas le temps. Parce qu'en temps normal, ton temps, là, tu devais être en train de travailler. Et rentrer le soir, saluer tes followers. Et ensuite dormir pour recommencer. Donc, tu n'as pas le temps. Tu as le temps parce que toi, tu vas insulter, tu vas salir l'image des gens pour pouvoir gagner et manger. C'est normal que tu utilises le nom de Kadesh Soso pour manger. Et ça ne chauffe pas. Tu crois que nous, on ne voit pas. Tu crois que nous sommes aveugles sur la toile. Non, mais non. On va se faire ça, tu. Donc, tu as intérêt pour ton bien. Si on va entrer avec toi là. Non, pardon. Arrêtez de venir écrire sur mon mur que donner d'importance. C'est quoi? C'est un être humain. Il parle, il faut aussi lui répondre. Il y a quoi? Vous aimez trop ça, laissez. Vous faites vivre une oreille. Moi, je ne fais pas. Tu vas appeler aussi là au téléphone.
pour présenter tes excuses. Ça, je te le dis. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas envie de... Je prends le décret et je réponds. En bon entendeur. Ah, en bon entendeur, pisseur. En bon entendeur, pisseur. En bon entendeur, pisseur. Comment ça sent rancune? Comment ça sent rancune? Mais puisque tu dis que... Il faut que... Il faut que... tu l'avertis. Et maintenant, tu dis sans rancune. Comment ça sent rancune? Mais finalement, toi-même, tu viens de lâcher. Le type, sinon, mais vraiment, c'est... Eh, mon piment, où j'en reponds chez nous, hora. On fait ce qu'on veut. En bon attendeur, pisseur, hora. C'est ça qui est ça. Pour caresse Fosola, non. Je reponds. Pour caresse Fosola, non. Je parle. C'est comme ça et pas autrement. Arrête de saboter des gens. D'accord? Personne ne mange chez toi. Et tu ne manges chez personne. Tu arrêtes. Tu veux lancer ton gars. Tu veux que ton gars excelle. Demande-lui de travailler. Travailler dur. Les gens seront là pour soutenir. Toi, ne viens pas gâcher le travail de quelqu'un. Tu as compris avec quoi? Voilà. Maintenant, tu passes à la caisse. Tu vas présenter tes excuses. Obligé. Si tu ne présentes pas tes excuses, tu vas voir comment elle va être traitée. Attends, demande à Tanga de présenter ses excuses à toutes les personnes qu'elle a citées. Demande à Amos. Amos, c'est ton moins cher. Les sifflets sont sortis. Sois seulement les sifflets. Tu as compris, non? Ne sois pas seulement les sifflets. Il faut prendre le haut-parleur. Tu as compris ce que je te dis? Prends le haut-parleur. Tu achètes tous les grosses baffles là. Tu vas à Carrefour ou à Darty ou à il y a encore quel magasin là. Tu achètes les gros baffles là. Le genre que quand tu mets, à partir du moment où tu es là, ça résonne jusqu'en coule mes cartes là-bas. Là, au moins, on va comprendre. Tu as compris avec quoi? Demande à ton entourage, car est-ce que ça? Ah, reste tranquille. Tu ne fais pas à qui? À personne. Avec Kamel et Vin. Qui donne les sorciers? Oui, oui, si tu donnes les sorciers, c'est tant mieux pour toi. Ah, calais ça. Donc, c'est un palmarès, c'est là. Pour vous, c'est normal. Tu dors avec. Tu connais où elle dort? Et t'es pas averti, tu connais où elle dort. Tu sais avec qui elle dort. C'est un gars qui dort avec les sorciers. Si tu veux, tu les malaxes même. Si tu veux, tu les, je sais même pas quoi. Loco, Adama, on peut faire ça. Une semaine. Une semaine. Tu as une semaine. Eh, hey, Seigneur. Là, maintenant, on va passer au plat de résistance. Parle. Le plat de résistance, c'est... Messan. Oui. Flor de Lille. Amout. Oui. Tu ne pouvais ne pas faire. Qu'est-ce que les trois ont en commun? Elles ont, les trois ont en commun ce qu'on appelle la diaspora. Et toi, tu n'es pas, tu fais pas partie de la diaspora? Tu n'en fais pas partie? Non, t'écoute, nous sommes à l'école. Les trois ont en commun la diaspora. Qu'est-ce qu'est le rapport entre Amout? Quel est le lien entre Amout, Flor et Messan? Ce sont tous ce qu'on appelle des VI, bandeurs d'illusion. Messan, Flor et Amout, dans la diaspora, ce sont des bandeurs d'illusion, concrètement appelés des VI. Pays, vendeur d'illusion. Voilà. Tu vas me tuer, piment. Voilà ce que les trois ont en commun. En tout cas, il faut me dire ça. Le prochain. Répétez après moi. Il faut me dire ça, Ibé. Amout, Flor et Messan sont ce qu'on appelle des vendeurs d'illusion. Ouais, Seigneur. Quand on n'a pas réussi, on chute. On a mal pour la réussite des autres. Ouais, mon Dieu. Seigneur, on peut avoir mal quand les autres réussissent comme ça. Hey. Ils souffrent de quoi? Ils souffrent d'un petit mal qu'on appelle la visibilité. Et toi?
Ah, Adama, oh, bon, mon fou. Hein, le père, c'est toi qui m'avais dit ça. Hein? C'est toi qui viendras dire que ces gens-là souffrent de visibilité. Hey! Les gens ont en commun ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et toi? Hey, Seigneur justice. Hein, papa? Les gens ont en commun ce qu'on appelle l'hypocrisie. Quelqu'un est venu écrire là-bas comme dans l'IEB. Dans l'IEB, l'image. Amour, Fleur de Lis et Messan sont de la diaspora, oui. Des vendeurs d'illusions, oui. Tous hypocrites pour la visibilité. Tout comme toi. Tout comme toi. Partagez le live. Tout comme toi. Partagez le live. Partagez le live. Tout comme toi. Partagez le live. Toi, tu es en train de... Pourquoi tu dis qu'on partage? Tu cherches de la visibilité. Quand tu demandes aux gens de partager, c'est parce que tu veux que les gens viennent te regarder. Donc, tu as la recherche de la même visibilité. Hein? Tu es obligé de prononcer le nom de Messa, le nom de Flore, le nom de celui-là, parce que tu sais qu'en écrivant ces trois noms-là, tu auras de la visibilité. Qui est fou? Donc nous sommes des bêtes sur la tête, sur Facebook. Hein? Partagez le live. Hein? Donc nous sommes des bêtes. On ne voit pas clair dans ton jeu. Maintenant tu dis aux gens de partager, pourquoi? Il ne fallait pas donner de partager, il fallait continuer. Parce que d'après tout ce que tu as dit là par son mari, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est ce qu'on appelle dormir le serpent empoisonné dans la bouche. Vous pensez que quoi? Depuis que Flore est entré dans le milieu de l'événementiel, on est en train de la conditionner. Vous pensez qu'elle partait là-bas au conseil de... Vous avez vu faire la publicité. Depuis que tu es sur TikTok, je te pose une question. Tu as vu qu'on a tapé quelqu'un, le chapeau est passé de blanc à rouge. Tu as vu ça quelque part? Quel est le lien entre tous les trois là? Ils sont tous de la diaspora. Ce sont les vendeurs d'illusions et ils sont hypocrites. Mais ça, on mentait. Mais ça, on mentait. Je le vois quelque part, il savait ce malout. Celui qui tente de me dire que va parler avec mes sangs, je lui dis le gros cul de sa mère. Et ça fait quoi? Quand tu vas dire le gros cul, tu donnes la vie à qui? Tu donnes la vie à mes sangs. Tu es important dans sa vie. Tu es important dans la vie de quelqu'un. Tu vas dire le gros cul de sa mère et ça va changer quoi? Hein, mon père? Donc, parce que... Facebook, si, hein. Oh, non. Mais toi, tu ne te prends au sérieux. Le... mais tu ne te prends pas pour ça, fait rien, hein. Non, mais celui-ci ne se prend vraiment pas pour ça, fait rien, hein. En tout cas. Celui-ci, là. Je ne blague pas. Donc, lui-même, il a envie de... Quand on voit ce que Flore de Lis a fait à la femme d'Amour Jaguar. Aujourd'hui, Flore de Lis sait qu'elle n'a plus le pouvoir. Comme elle est entrée dans les soirées, elle s'est dit maintenant que je m'en vais relancer en route. Et alors? On commence un peu à... En quoi ça te concerne? Tu as mal où? Tu as mal où si Flore de Lis passe parler avec Amod? Tu as mal où si Flore de Lis retourne vers Amod? Tu as mal où? En quoi ça te concerne? Pourquoi tu pleures la vie des gens, mon frère? Pourquoi tu pleures la paix des gens? Pourquoi tu pleures les gens? Hein? Tu as mal où? La vie, c'est comme ça. La vie est ainsi faite. Les hommes se déchirent, se réconcilient. Hein? Oh, elle est partie demander parce qu'elle fait la soirée, parce que tu as mal où? Toi, tu as dit que tu es le chef terre, non? Ou toi aussi, tu veux boycotter sa soirée maintenant? Ou c'est ton intention? Parce qu'elle a fait la paix avec le plaisir et ça t'énerve. C'est ce que tu veux, peut-être, hein? On ne sait jamais, hein? Le goitre de ça. Comme tu t'entendais pas avec plaisir à mort et que Fleur avec lui, ça t'énerve. Le goitre de ça, tu vas pleurer. Tu dis que tu es un pleurnichard.
Un pleurnichat, oh, pleurnichat, oh. Un pleurnichat, c'est tu pleures toute ta vie. Même quand il ne veut pas pleurer, tu pleures, tu n'as pas le choix. Je vous ai dit ceci, blanquement de tout le pot du pot. J'ai 8 enregistrements où j'ai tapé, comme ça, j'ai le grand frère, merci pour le café. Amen, amen. Man, je vous ai dit, je suis arrivé sur TikTok, je vais prendre le contrôle de TikTok. Je ne suis pas avec personne. Je vais prendre le contrôle de TikTok. C'est ça. Eh, tu ne peux pas. Qui va te laisser? Elle prend le contrôle, elle prend le contrôle. Que les Ivoiriens vont te laisser, ou que les autres Camerounais vont te laisser. C'est à quoi? Vous fatiguez les gens dans les oreilles. Cherche tes abonnés, cherche tes vues, dis donc, cherche tes vues doucement. Le chapeau aussi, le chapeau était blanc au départ. Ouais, c'est ça. Partagez. Le chapeau que bosse là sur la tête. En temps normal, tu ne devais pas demander aux gens de partager. Hein, puisque toi, tu es le king. Tu n'as pas besoin que les gens partagent tes directs. Tu viens seulement, tu t'assois, il y a 10 000 personnes une fois et puis comme ça. Tu parles plus, c'est fini. Mais quand tu demandes aux gens de partager, c'est-à-dire que toi-même, tu as besoin de la même visibilité, que toi-même, tu es hypocrite. Oh oui, tu es dans l'hypocrisie totale. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite, mon frère. Tu fais semblant, tu te donnes un genre alors que c'est toi-même qui es pire que des autres. Arrête ça. Écoute, monsieur, je n'aime pas trop le bruit. Le chapeau que vous avez sur la tête était d'abord blanc au départ. Et alors? Oh, mon frère. Depuis que tu es sur TikTok, je te pose une question. Vous parlez de quoi? Parlons peu, parlons bien. Parle. Parlons peu, parlons bien. Arrêtons le tourner autour du pot. Ne tourne tant pas. Toi-même, on te dit que voilà, les gens qu'on a toujours balancé dans la diaspora pendant des années, mais sans trop de l'amour. Le fiasco de la diaspora camerounaise. Pourquoi? Dis-moi quelqu'un parmi eux qui a un cerveau propre. Et toi, tu as ton cerveau propre? Une personne. Est-ce que le tien est propre? Est-ce que ton CV est propre? Dis-moi. Le tien est propre? C'est une question. Dis-moi, je veux aussi voir. Non, mais toi, tu fais partie de la diaspora. Est-ce que le tien est propre? Que dans ma diaspora camerounaise, qu'on me dit que mes sangs. Parce qu'il a honte d'amour. Il cache partout où il travaille. Il a honte de dire qu'il est livreur. Il a passé son temps à cacher. Il fait une comparaison avec Amout. Il montre les clés de voiture. Un homme comme Messan, lui a investi dans la filaille. Pendant que ses égaux investissent dans les plantations au pays. Lui a trouvé un cas à son âge incapable de construire chez son. Mais à chacun son truc, mon frère. Si tu veux construire, tu construis. D'autres n'ont pas envie de construire. C'est quoi ton problème? Mon petit, cherche les gens de ton niveau. Hein. Cherche les gens de ton niveau. Tu as mal où? Tu as vu un mariage de ma vie contre le canon de Yaoundé. Eh, Seigneur, la recherche des vues. Ne nous trompons pas. Mais ça n'a rien construit. Au moins, on peut dire à mon Dieu chapeau. Toi, tu as construit quoi? De ce côté, on peut dire à mon Dieu chapeau. Toi-même, alors, tu as fait quoi? Au moins, on voit. Même si ça ne l'appartient pas. Toi-même, tu as fait quoi? Et tu as me laissé combien? Il est dans le couloir, là. Mais un père comme mes sangs, 70 ans. Même 100 ans. 70 ans. Même 100 ans. Le libérateur, c'est les clés de la voiture qui montrent que tu peux au Cameroun, tu es incapable d'avoir une maison qui t'appartient. Même moi, mais quand même, quand je dis que je suis le raté de la diaspora, mon goût pèlèvre caille. Mon goût pèlèvre caille. Ça, ouais. On parle de quoi? Laisse les gens vivre. Parlons peu, parlons bien, on parle de quoi? Tu ne peux rien faire. Contente-toi. Donc, je veux bien qu'on me dise que ça, c'est le fiasco de la diaspora camerounaise. C'est la malédiction de la diaspora camerounaise. Selon toi, tu es quoi? Question. Non. Menteur. Est-ce que ce que je dis est vrai? Non. Est-ce que c'est un plan? Ah, ce n'est pas vrai. Voilà. Comme tu as dit que ce n'est pas vrai. Ce que tu dis est vrai? Non. C'est un clash? Non. C'est un droit de réponse? Oui. Donc toi-même, tu reconnais que ce n'est pas vrai. Adam, on peut se contredire comme très, ça. Très, très important. On peut se contredire comme ça. Moi, mec, je ne marche pas dans ça. Tu ne marches pas. Tu devais faire quoi? Donc, il a renoué les contacts. Montrez-moi un seul live
où Flore envoie une création de quelque chose. Un son. Comment ça? Comment ça, création de quelque chose? Elle a construit son immeuble, nous fait ses amis. Je veux un seul live où on va me dire que Flore a une création de quelque chose. Ça n'existe pas. Pourquoi tu veux qu'elle crée? Elle est obligée. Elle est obligée. Flore a fait quelle création de contenu? Ah bon, toi, tu as quelle création de contenu? Flore a déjà fait quelle création de contenu? Toi, tu as quelle création de contenu? Pas, ça n'existe pas. Si ah, Moussa a fait quelle création de contenu? À part porter les vestes pour y aller. C'est déjà ça, ou t'as pas? Mais Sarah a fait quelle création de contenu? Rien. Coucou ma lyonnaise. Et c'est ce genre-là que vous parlez. Comment vas-tu ma princesse? On vous a dit que notre diaspora ressemble à ça. Ah, je ne pensais pas que tu faisais partie de la diaspora. Parce que toi, tu as dit que voici les membres de la diaspora. Tout à l'heure, quand tu parlais, tu t'es mis à l'écart. Je ne savais pas que tu faisais partie de la diaspora. Oh là là, quelle contradiction, mon Dieu. Ce gars, tu dis une chose et son contraire, ça fatigue. Ça fatigue. Ça fatigue. Et personne n'a rien à te prouver. Personne n'a rien à te prouver. Personne n'a rien à te prouver. Les gens ne sont pas obligés de sortir, te montrer ce qu'ils font. On montre sur la toile ce qu'on a envie de montrer. Le reste, là, c'est privé. Pourquoi on doit prouver quoi? Qui est à toi, à mes camés? Hein? Toi, tu prouves quoi? Hein? Tu dis que Flore n'a rien créé, elle n'a rien créé. FDL est où? Les qui ont été avec pour tenir son truc? Les qui ont saqué son tout, sa création. Dis-nous. Les donneurs de leçons, sans être des exemples. C'est juste dommage. Quelle pitiation. On a un fiasco. Un bordel à la scène ouverte. Et c'est le même bordel qu'on retrouve chez les artistes camerounais de même. Laisse ton histoire là. Laisse ça. Quand le nom de quelqu'un arrive sur mon tableau. Laisse ça. Actuellement, sur le tableau, c'est le nom de Flore Delis, c'est là un mois. Et ça fait quoi? Le nom de mes sangs. Et pendant un mois, après, il ne va pas vivre. Quand j'ai arrêté de parler de lui, quand il me lève le matin, je le foisse. Mais pour Flore, pour le manque de respect d'un de ses lieutenants envers mes camés, c'est un mois. Et ça fait quoi? Et bien dosé. Et ça fait quoi alors? Ça paye la facture. Je pose ton acte et tape tes vérités. Ça nourrit. Je crains quoi? Personne. Qui craint aussi? Qui a aussi peur? C'est toi qui as mal. Hein? Parce que si tu n'avais pas mal, tu ne serais pas là. Si tu n'avais pas mal, tu n'allais pas être là. Ça vous fait mal? Ça va, ma tête. Dites-moi, mais ça en fait quoi comme travail? Vous connaissez? Non. Pourquoi? Il est obligé de venir. C'est un salaud pas qu'on invite partout. Et alors, tu as mal où? Il fait quoi comme travail? Au moins, s'il y a des gens qui l'aiment bien, qui l'invitent, c'est déjà une grâce. On t'offre les mains. Pour séparer, je prends ça et casse ça par terre. Je te renvoie tout ce que tu m'as donné, ce que tu te dis, je casse ça par terre. On y va avec le courage, tu prends les lunettes de la bloque, tu poses, tu viens, tu t'assois. C'est bizarre. Oh. Mais par contre, ça me fait pas mal de fois. Ouais, vraiment. Que tu arrives comme ça quelque part, tu te dis que bon, voilà quelqu'un que voilà. Vous allez voir, le tour, c'est la diaspora camée sera élevée. Est-ce que c'est toi qui vas faire quoi? Oui. Les tu ne peux rien apporter de nouveau. Parler. Si dans le temps, tu n'as rien changé, c'est pas aujourd'hui. Les gens vont nous raconter les difficultés qu'ils ont eues pour avoir les papiers. Qu'est-ce qu'il faut faire que ce soit? Tu ne peux rien apporter. On va prendre les rendez-vous. Il y a déjà les sites avec Google. Gens, pour qu'on parle. Il y a déjà les sites pour ça. On va donner une beaucoup de gens savent. Tu n'es pas là. Tu manques. Chacun fait ce qu'il veut sur la toile camerounaise. Pas des waka comme vous. Chacun fait ce qu'il veut. Les wakala, tu étais avec eux hier. Parce qu'on te met de côté, ça t'énerve. Quand tu es invité. Parce qu'on t'écarte, ça t'énerve. Oshida, quel tu plan étais, que tu as mis en place étaient tes meilleurs amis, non? Avec Flore Delis pour agresser Oshida. Par rapport à quoi? Quel plan que tu avais mis en place avec Flore Delis pour agresser Oshida? L'agresser par rapport à quoi? Je sais pas. Mais finalement, tout tourne autour. C'était pas le plan. Je ne sais rien. Attendez-moi. Qu'est-ce que tu mijotais? On peut mijoter quoi, moi? Inviter aussi Gala où il y a Flore Delis. Quel est le plan que tu avais organisé? Ok. Derrière. Il y a quoi? Il y a mon plan. C'est des. Quoi? Oshida. Dans l'agression d'Oshida. Par. La. Fille qui m'avait. La baronne invite Oshida dans une soirée où se trouve Flore Delis. Waouh. Ma baronne, tu vois que tu es. Mais belle. Ça fait quoi?
Mais attends, c'est toi qui es limité dans ta tête. Toi, tu es limité dans ta tête. Les tendeurs de pièges. Vous étiez entre vous là-bas empoisonné. C'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis que tu m'as fait, c'est toi. Ça, comment c'était fait. Coucou Maureen, bonjour. Bonjour ma grande. Ça fait deux qu'il n'y a pas eu d'after. Depuis que tu froisses, elle avance. Elle reste dans le salon des enfants. Ici, en âge, après, il y aura l'argent. Avec vos cœurs, mais sur vos cœurs, moi. Elle a quand même... On veut lui faire du mal. On veut lui faire du mal que... Elle produit quoi de spécial aux gens. On va lui faire du mal qu'il n'y a pas mieux. Même le patin qui est assis là-bas au pays, là-bas, que les gens parlent, qui a déjà pensé à lui faire du mal. Très mal intentionné. Ahmed, tu es mal intentionné. Il faut bien nous le dire. Est-ce que tu seras à la soirée de Florida Nova? Mais sans donner qu'il s'est allé avec son ancien père. On sait que c'est l'hypocrisie. Mais il sera là-bas. Tu seras là ou pas? Il sera là-bas. Parce que tu as rappelé qu'Amou sera là. Il sera là-bas. Ah oui, Amou sera là. Il sera là-bas. Ben oui, et alors là, tu veux faire quoi? Ça veut dire qu'indirectement... Je vous dis que quand je le vois parler là, non, j'ai l'impression que... On va voir, par exemple, un philosophe qui est en train de parler seul, qui tient je ne sais pas quoi en main, il est en train de parler seul, il s'interroge, il répond. Il se dit, mais je ne sais pas, mais voilà. Hein, mais ça sera là-bas, Amor sera là-bas. Sachant que mais ça est à mort et tout. Voilà, mais mon frère. Mais tu penses qu'ils sont obligés de se dire bonjour? Hein? Tu crois qu'ils sont obligés? Oh, bullshit. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Sam, tu as fait comment le tousser? Tu as mal. Tellement tu veux être comment à leur place. Tellement tu aimerais leur place que ça te fait mal. Mon frère, chacun a son étoile, chacun son truc. Tu as mal, tu es jaloux, mon père. Baisse ton cœur. Hein. La diaspora ne sera plus jamais pareil. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, tu ne peux rien changer, rien du tout. L'hypocrisie, on va taper sur toi. Tu bavardes trop pour ne rien dire, dis donc. Florine est en train de... Salut Amout. Et alors, ça fait tu quoi? Tu penses quoi? Elle pense qu'elle a oublié tout ce qu'elle a fait. Mais tu parles. Et ça fait le dossier, tu ne connais pas le cœur de l'infirmane. On va te ramasser à la petite cuillère. On va te ramasser à la petite cuillère, le dossier. Le dossier, tu ne comprends pas. Parce que le dossier, tu penses qu'on a oublié ce que tu as fait. Ouais, laisse. Tu penses qu'on a oublié ce que tu as fait. Laisse. Garde. Non, tu l'as vu l'humiliation. Garde les conseils. On a bien toujours laissé pour toi. Bien que tu as assis, ça dit que tu avais ce qu'on appelle la morale, si tu avais ce qu'on appelle la mental floor, tu réfléchis deux secondes. Voilà pourquoi les abeilles sont éparpillées, voilà pourquoi les abeilles n'existent plus. Ils existent bien. Parce que les abeilles étaient fatiguées d'aller à gauche. Les abeilles existent bien, bien. Ils sont bel et bien là, bien. Aujourd'hui, tu te retrouves en train de faire la mendicité, Charles. Ils sont bel et bien là, c'était son père, c'était son plaisir. Et il a récupéré sa fille, le mal est petit projecteur à deux. Ton mal est profond, amen. Tu vois, aujourd'hui, c'est l'ombre de toi-même. Dans toutes les familles, il y a les problèmes. Il a arrangé les problèmes avec sa fille. Moi, quand on m'appelait, on dit, oh. Tu as mal ouf. Tu as parlé quand on te parle avec toi, dit que qui se ressemble, ça semble. Tout simplement. Et alors? Mais est-ce qu'on a un problème? Quand tu parlais avec elle, ça te faisait. Tu ne disais pas ça. Les qui se sont plaints. Arrête ça. La jalousie, jalousie. Maman. Tiens les yeux, maman. Elle vient continuer. Tiens, avec mon père. Avec moi, ce n'est pas une. Amour. Demande à mon père d'amener Kamel. Il faudrait qu'il ne peut pas encore amener Kamel. Elle a fait la paix ou qu'elle amène. Pour la seule raison qu'amener Kamel ne connaît pas moi. Mais toi, tu connais moi. A jusqu'à Z. On t'a dit que on t'a dit que vous avez la paix qui fait mal ou la paix de la fille et de son. C'est Jaguar qui va faire ta fête. Ce n'est pas moi. Pardon, laisse ça. Tu ne connais pas le cœur des femmes. Tu ne connais pas le cœur des Jaguar. Arrête, tu n'es pas dans son. Tu ne connais pas le cœur des femmes, maman. Tu as fait quoi? C'est tout aussi. Jaguar ne va pas te louper. Ok. Laisse ça. Après ce que son mari a subi, tu incites des gens à vouloir développer la colère. Après ce que son mari, je vais sortir toutes les vidéos. Je vais remettre toutes les vidéos sur la montre. Voilà ton fort. Toujours revenir faire du mal. Faut qu'on remette un peu tout. Faut qu'on réveille la plaie.
Voilà, toujours vouloir venir rappeler. Et ça fait quoi? Il faut qu'à mon droit, il faut que je passe à autre chose. Ça va faire quoi? L'avantage avec Amen. Dis à Diakwa, demande à Diakwa d'aller sur YouTube regarder les vidéos. Tu n'as pas besoin de les ressortir. Dis seulement que va sur YouTube regarder les vidéos. Si les gens ont oublié ce qui s'est passé, je vais vous remettre les vidéos. Ah, okay, dis donc, tu n'as rien à faire de ton temps. Ça vous fait mal où? C'est toi qui as mal, personne n'a mal. Si Diakwa a oublié, personne n'a mal. Bien qu'il faut. Je suis plus loin accroché là. Personne n'a mal. Ne voyez pas la lumière taper clair. Et avec son gros corps là. Donc tu as juste enlevé la vie. Toi, il faut être idiot pour aller payer le thé là. Donc tu as mal. Il faut être bête pour aller payer le thé là. Non, sérieusement, il faut être bête. Pour dire que moi, il m'avait payé le thé de mes sacs. Il faut être idiot. Tu peux appeler le thé qui n'est pas payé. Regardez ça. Va payer, payer. Regardez ça. Elle va aussi le même thé, non? On va payer, payer, on va payer. Donc avant de payer quelque chose, c'est l'argent de quelqu'un, c'est pas ton argent, les gens vont payer. Regarde la personne même qui vend ça. On va aller payer. Tu regardes la personne qui vend ça. Aller payer les thés, sur le bas de mes sangs. Aller payer les thés de la star. C'est qu'il y a un problème. On va payer. C'est que ça ne marche pas. On doit payer. Donnez-moi le thé là, il vend ça. Alors, pourquoi tu ne dis pas que tu veux faire tu veux travailler avec eux? Ça déjà, ça donne. Tu veux être ambassadeur aussi de mais ça va lui dire que le corps de quelqu'un pourri. Mais ça, écoute ce que je vais te dire. Avant de te lever pour dire que le corps de quelqu'un pourri, regarde d'abord ton corps. C'est parce qu'il est engavé de 53 cm. C'est qu'il descendait ça jusque là. Mais s'il descend ça jusque là, le web va commencer à taper en bas. N'importe. Le web va commencer à taper en bas là-bas. Il n'y a rien. Tout ça là, c'est du n'importe quoi. Tu te fais tu genre. Vends les thés. Les vrais hommes qui ont là, ils ne parlent même pas. Quand un homme a mal là, ils ne parlent même pas. Tu n'as rien. Tu vas aller payer les thés là. Il y a 53 cm. Tu vas le dire en temps. Tu ne sors au homologué nulle part. Il n'y a rien là-bas. Tu as ton cancer que tu distribues le marché au noir. Allô, oui, elle est sur le cancer. Il y a 53 cm. Rien du tout. Tu viens insulter les autres. Et si souvent que tu as dit. Tu vas faire les fausses analyses. Et si souvent que tu ne sais même pas comment faire, on malaxe l'engarde. Ouais, 53 mm. Ouais, 53 mm. Tu es nul. Il n'y a rien. C'est parce que les filles ont voulu seulement te donner un peu de valeur. Elles ont dit que c'est 53 cm, mais je crois que c'est millimètre. Je crois que c'est 53 mm. Maman! Yeah, Chadama, on peut faire ça. Donc, tu vas même te vanter. Va te cacher, dis donc. Va te cacher. Cache-toi. Cache-toi. Tu viens, on voit là des analystes, mais tu veux que tu as le diabète. C'est toi qui es venu raconter que tu as le diabète, ce n'est pas nous. C'est toi qui viens raconter que tu maman. C'est comme ça qu'on vous dit toujours. Hein. Quelqu'un qui a échappé à la mort. Tu viens parler à un gars qui a combattu la mort. Toi, tu as échappé. Il dit qu'il a 53 millimètres. Il a d'abord un CV d'abord physiquement en place. 53 millimètres. Amen, amen, d'abord. Physiquement. 14 jours dans le bateau, 12 jours dans la cale. Et ça fait quoi? Nous, avec un litre d'eau et deux paquets de dalles. Ma première femme avait 150 kilos petits. Mais me carré, nous, on est 4 jours petits. Tu viens jouer avec moi? Ouais, c'est bien. On peut pleurer comme ça. Non, mais tu connais la résistance et on pleure du village. Mais plus, c'est des valeurs. Quand un homme pleure comme ça, ce n'est pas bon. C'est pas bon quand un homme pleure beaucoup. Vraiment, pardon, nos garçons, nos enfants garçons, là, on doit les apprendre à être des hommes durs face à toute circonstance et à tout événement. On doit être dur. Adama, on peut pleurer comme ça, les pleurs de ça, les pleurs du mboulé. Les pleurs, les pleurs, les pleurs, parce que tu aurais voulu être avec eux.
Tu aurais voulu être là-bas le jour-là, tu aurais voulu être au conseil, mais personne t'a interdit de partir. Hein? Tu aurais été là-bas avec eux. Hein? Tu as vu? Tu vois? C'est l'aigreur qui fait que tu ne pars pas à des endroits où il y a tes frères. Tu te retrouves seul, tu te retrouves devant tes caméras. Après, tu viens lancer les directs pour pouvoir les dénigrer. C'est tout. Après ça, il n'y a rien d'autre. Il y a quoi de nouveau sous le soleil? Qu'est-ce que tu vas dire de nouveau? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc calme-toi. Calme-toi. Le fait qu'il soit le poulet du village. Tu connais la résistance, c'est un poulet du village. Mais sans qu'il y ait un poulet de femme quand il te voit, qu'il y ait un poulet de femme psychologiquement d'abord, il te froisse partout. Ma société marche jusqu'aujourd'hui. Ma société marche jusqu'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Il va froisser, étonné. Tu vois, comment on peut pas dire que non, patron. La paix, c'est comment? Froisser, étonné. On fait ça en direct. C'est ma même froisser, étonné. Eh, hey, Seigneur. Est-ce que ma part parle? On fait ça en direct. Là, c'est une histoire de patron. Tout le monde ne peut appeler tout le monde patron. Hey. On parle. Celui qui veut venir là, attends un peu, il y a quelqu'un qui veut me parler du tribalisme là. Il y a même Kamal aussi. Demande aussi à Flo d'aller faire les tests. Tu m'as dit que j'avais le sida, non? On dit à Flo d'aller faire les tests. Maintenant, toutes les filles qui sont passées à Manouba, demandez-leur d'aller faire le test. Ah bon? Eh ouais! C'est comme bonjour. Eh ouais! Tu as déjà Flo qu'elle a fait le test. Mais c'est pas. Tu as déjà Flo qu'elle a fait le test. Je n'ai même pas parlé, je n'aime pas ce que je. Tu as parlé de certaines. Mais tu cherchais l'amitié. Parce que quand tu dis qu'elle a le sida là. Mais c'est une manière indirecte de dire à Flo qu'elle a le sida. C'est pas elle qui disait que. Amen, quand même. Est-ce que tu penses que le top de chez est plus beau que mon top? Pour savoir si ton top. Pour savoir. Pour qu'elle n'a que je n'ai que son top est mon Dieu. Il y a eu quoi? C'est quelque chose. Donc quand tu dis ta mère, va faire le test du système. Mais demande d'abord à maman, il faut aller faire pour elle. Là, on va voir clair. Adama. Demande-lui d'aller faire pour elle, là, on va voir clair. C'est à partir de moi, je n'ai pas nié. C'est le laboratoire de ça. Quelqu'un peut être malade et ne rien avoir. Et ne pas transmettre. Pardon, excusez les gens, dis donc. Vous pensez que je vais nier? Pourquoi je vais nier? Moi, il n'y a toujours sans préservatif. Mais sans trouble, ça. Il n'y a toujours sans préservatif. Alors, Adama. Ouais, honte de dire, maman, il faut aller faire les tests. Moi, c'est pas moi. C'est une mauvaise question. Dis-moi que c'est une mauvaise question. Comme ça, voilà. Demandez à toutes les filles qui sont passées à Mandouma d'aller faire le test. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Petit joueur, petite frappe. Tu es fatigué, tu es essoufflé. On coule les nerfs. On est bourreux. On parle. Celui qui veut venir là, attends un peu, il y a quelqu'un qui veut parler du tribalisme là. Si c'est pas là, voilà. Bon, mes buts de valeur, je pense qu'on a écouté, je pense qu'on a fait un décryptage propre. Hein. Selon moi, merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci à vous qui avez été là. Merci. Parfois, c'est important de s'asseoir et de montrer et d'analyser les propos de certaines personnes. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains. Et quand quelqu'un vient souvent parler, la personne s'attend à ce qu'on puisse lui répondre. Donc, c'est important. Il ne faut pas toujours dire que pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. Non, vous faites ça. Non, nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des objets. La bouche est faite pour ça. La tête est faite pour réfléchir. Et à partir de là, on peut essayer de voir et de comprendre. Sur ce, j'espère que vous allez passer une agréable journée. Voilà, dites à Amek Amek que lui, il n'est rien. Il n'a aussi rien apporté à la diaspora. Donc, qu'il ne pense pas qu'il est arrivé. Parce que, franchement, il n'impressionne personne. Il ne fait peur à personne. C'est menace à deux balles là. Ça ne va nulle part. Voilà, la seule chose leur faut, c'est que, oh, j'ai signalé vos pages et tout. Laissez les pages des gens et vivons nos vies. Laissez des gens bloguer. Nous sommes tous des blogueurs. Nous sommes tous sur la toile.
Comme tu dis que les autres cherchent des vues, c'est comme ça que toi-même tu cherches des vues. Comme tu dis que les autres sont comme ça, c'est comme ça que toi-même tu es. Un hypocrite, c'est le premier à connaître son frère hypocrite. C'est la partie là, et c'est ça, et ça ne chauffe pas. Voilà. Donc, si tu veux qu'on soulève ta musicienne, ton artiste, travaille dur, oriente-la autrement, prends, joue ton rôle d'homme avec fermeté, et tu verras que les choses iront. Ok? Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée, bon après-midi à vous. Et puis, on se dit peut-être à plus tard ou à demain. Bisous. C'était la Blar Beauty. Continuez à vous abonner sur ma page. Et surtout, quand vous arrivez dans mes directs, je vous en prie, merci de partager, commenter et de liker la page. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.